Et sinon, on se met en Reaper et on fait un peu de mission de tout, tu sais. Comme ça, on refait les Friendly Reaper. Au pire. Ça peut être sympa. Mais je peux vraiment pas rejoindre. Attends, je vais essayer de t'inviter. Attends. Mon équipage, un message de Molo. Il faut que mon jeu soit ouvert pour ça ou pas? Attends, qu'est-ce qu'il m'écrit Molo? Attends. Okay. Putain, elle va cramer que je l'ai bloqué l'autre connasse. Ah merde! Oh non, merde! Tu l'as lu à voix haute. Ah pardon, excusez-moi. Non, parce que je t'ai pas en ami. Ah, mais voilà, super. Necrose. Comment... Enfin, non, comment... c'est quoi ton game tag sur Xbox? Necrose 9 de i, non? C'est ça. Ah, y'a Necrose pas... espace 9 de i. Necrose de l'espace, c'est un astronaute. C'est Necrose quoi? 9 de i. Necrose espace 9 de i. Est-ce que c'est un i majuscule? Je ne crois pas. Minuscule. Minuscule, bien sûr. Je ne crois pas. Comme Necrose, comment t'écris Necrose? Le sexe de ton père le lâche, Molotax. Nec avec un N majuscule et tu colles le rose avec un R majuscule. Ok. Par tu contre, veux que je te copie-colle? Non, c'est bon, je suis là. Par contre, non, j'ai pas, je peux pas t'ajouter. Ah, mais attends, mais et tu peux pas me faire rejoindre moi, Necrose? Non, j'essaye aussi. Okay. Alors, attends, est-ce que je pas, peux t'inviter peut-être? Xbox. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez. Cool. Par contre, Molotox, t'aurais pu avoir la décence de réparer le Hygiene Bot quand même. J'aurais pu la décence. J'ai fait le plein. Le plein d'essence. On s'amuse là, c'est super. Beaucoup de contenu qualitatif. Ah oui, je vais peut-être faire une pause clope quand même. Bah vas-y. Une petite pause clope. Une petite pause clope. Ah ça. Allez. Moi je suis un enfant. Et là du coup on a inversé les babysitters maintenant. Molotox c'est nous les babysitters maintenant. Oh putain. Les pires. Attends, j'ai mon bracelet qui vibre. Merde putain. C'est pas des vrais enfants, je vous jure c'est pas des vrais enfants. Oh bah vas-y, hein, je vais aller pisser, fumer une clope, manger un bout de jambon parce que je suis un gros porc maintenant, et puis c'est parti. Oui. Si vous me cherchez, je suis à la place du capitaine, ce qui n'est pas du tout ma place, mais j'aime bien. J'ai une petite déconnexion, je sais pas si je suis toujours là. Ah, comment voir ça, mon équipage? Moi, je te vois encore dans l'équipage. Oui, il est dans la liste d'équipage. Ouais. Allez, c'est parti. Oh, c'est la question, machin, c'est la boîte, tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais. Je peux pas rejoindre Molo. Essaye sur. J'ai réussi via Puff. Ok. J'aperçois un petit bateau au fond. Puff, je crois que je l'ai pas en ami. Merde. Ok, j'aperçois un petit bateau. Méduse normale 260 si jamais. Tout attaché, méduse normale et normale avec un N majuscule. 360 260 je crois, non? Pour le taxe. Mais 260, ouais. Méduse normale, je vais quand même vérifier, confirmer ça de manière si sûre. Et ouais, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Bah, je peux pas vous rejoindre, je crois. Attends. Xbox. Ember. Je t'ai envoyé une invite au cas où, mais je suis encore en chargement là, donc c'est pas assez normal. Non, je peux pas te rejoindre aussi.
Ouais, je suis en chargement, moi, c'est normal. C'est un peu long. Tout en bas, quand vous serez arrivé, j'ai mis dans la première cale du bateau, j'ai mis une caisse de stockage où il y a déjà des planches. D'accord. Normalement, là, tu peux me rejoindre si jamais t'arrives pas aux endroits. Je pense que la partie s'est lancée, du coup, je peux pas vous rejoindre. Bah, si, tu peux rejoindre en plein milieu de partie normalement. Oui. Bah, attends, je vais quitter, je vais revenir. Attends. J'ai peut-être bugué. Autre équipage. Hop. Non, mais attends, bouge pas parce que en fait, t'es encore sur la partie. C'est pour ça que tu peux pas rejoindre. Vu que ça s'est déconnecté dans le chargement. Son pseudo, il était en rouge, ouais. Là, je me suis déco et. T'as mis le kimono. Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Ah yo, quand je j'entends le kimono qui s'active tout seul derrière. T'as mis le kimono. Putain, fais chier, je vois un petit. Au fond là. Vas-y, je vais chercher un peu de provisions. Je peux pas vous rejoindre, c'est un truc de fou, je vais relancer pourtant. Mais tout. Avec patience, parce que moi ça a mis aussi un petit temps. Ok. T'essayes sur un des trois à chaque fois. Ah, voulez-vous rejoindre la session précédente? Voilà. Je suis dit ok. C'est bon! Tous les tournois sont. Là, j'ai déjà fait un tour de. J'ai déjà fait normalement. Ok. Elle était un peu partout ou. Hop. Normalement, ouais. Merde, je suis plus sur 7 days, j'ai vu un petit caillou par terre, c'est de ramasser. Mon goal. Ah bah ouais. C'est sûr, là tu. Ouvert, je suis 4. Ah, je suis à 95% de ma rame d'utiliser. Tu stream là, non? Non, je stream pas. Mais là, juste. Parce que c'est bizarre, quand on était sur Pasmo, nickel ton micro, et là, ça. T'as encore des mots qui coupent. Attends. Ah, ça va aller mieux après avec tes. Là, ça, je vais. Oui, ma manette. Est-ce que tout le monde est à bord pour lire? Je suis pas à bord, j'arrive. Ah non, mais de toute façon, ah non, elle est là-bas. Ah, mais je pense que lui nous laissera pas son bateau étant donné que c'est. Étant donné que c'est un émissaire, c'est ça? Ouais. De toute façon, je le vois. C'est juste le temps d'eux, quoi. Enfin... Mais il est encore brûlé, ton bateau. Je vais le réparer. Comment on ajoute un appât, déjà, s'il vous plaît? Usain Bolt. Tu réouvres ta... Ah oui, R appât. Et avec R. Nickel, merci. C'est là-bas que je répare le bateau. Alors... Okay, j'ai resté. On a une caisse de stockage ou pas?
Oui, tout en bas, premier. Tout en bas. Je vais la mettre sur le pont avec des trucs Tout dedans. en bas. Ah, ben je l'ai déjà mise tout en bas avec des lampons préparés. Alors, je vais Allez. mettre des boulets. Alors, il y a FF qui dit, mais dans l'idée, il n'a pas à nous laisser son bateau, faut juste qu'il invite Gaët, quoi. Et moi, putain, j'avais raté ma pêche. Ouais, c'est vrai. Mais là, pour l'instant, quoi qu'il arrive, il... Quoi qu'il arrive. Mais t'as le temps. Pourquoi ça veut pas quelqu'un jeter? Oh putain, T'as le temps. on a vrai mot. Je m'énerve. Attends, mais je comprends pas. Crois qu'on a un mot sur deux là. Ah ouais. Là, tu m'entends bien. J'ai bien entendu, mais Ouais, ça on risque sent de couper à que. tout moment, quoi. Oh, ouais, voilà. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à démarrer. L'ancre est levée, la voile est baissée. Bonjour, bonjour. Ah oui, si, c'est bon. Bonjour. Ah oui, Petit à bonsoir. petit, si, on bouge, ça y est. Et on se retrouve pour le live le plus beauf de France. Est-ce que vous savez pourquoi la moitié des femmes en France ne sont pas satisfaites de leurs compagnons? Parce que Une je ne peux caisse pas être de partout. stockage. Eh ben non, parce que c'est juste des grosses connasses. Allez, c'est super, retrouvez-moi à Périgueux 18 et à Carcan le 24. Et c'est encore des dates en fin de mois, je suis désolé. Du coup, on est parti sur quoi là? Ben là, on va essayer de. Ok, où est le petit bateau? Il est partout droit, mais là, il a disparu dans la brume. Il est un peu. C'est beau ce que tu dis, putain, voilà. Merde, 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 merde. Allez, viens, mon Bon, chat. allez. Allez, viens. Allez, viens. Quelqu'un peut baisser la mâture devant, s'il vous plaît? Bien Je sûr. suis avec un poisson là, c'est la bataille. Et la Oui, bah oui. mâture au milieu, d'ailleurs. C'est vrai que Mais. c'est hyper important, voilà. Super. Bah si, pour les vivre. Vivre pour le plaisir. Viens là. Fajline, Pour viens. le meilleur. Oui, pardon, putain, heureusement que Tata n'est pas là, sinon je pense qu'elle m'aurait renié. Viens là, Fajline. Viens. Comment ça? 5 minutes de fight pour rien. Allez, viens, mon chat. Allez, viens, mon chat. Allez, viens. Vas-y, Alors toi. quelqu'un peut guetter à l'origine. Oui, Oui, pour monsieur. guetter à Lori. Oui. Je gâte à Quelqu'un pour faire Laurie. du coup? Ok. Ta Bien meilleure entendu. amie, je serai là, toujours pour Toujours toi. pour toi. N'importe où tu N'importe où iras, tu voudras. je serai J'aimerais. toujours la Toujours même, la un même. peu bohème, prête à faire des folies pour toi. Alors, il y a un bateau tout droit vers un fort. Tu m'as Voilà. ensorcelé, C'est là-bas qu'on. ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, bah vas-y, hein, je vais donner mes meilleures négociations. Est-ce que Get est toujours là d'ailleurs? Comment tu fais pour changer de nom? Parce que mon Blaze, moi c'est mon Gamer Pass. Mais il faudrait que tu changes de Blaze sur la Xbox carrément, Get. Donc tu vas être obligé de t'appeler H17. L'heure ça m'a fait trop rire ta tête, moi, autant que j'ai senti le désespoir Il est un peu sur la quand tu as eu droite. ce nouveau follow et que moi j'étais là en mode qu'est-ce que t'as enculé, barre-toi. Bah ouais, gros, Bah, attends, attends. Qu'est-ce qui me fait? le pire modérateur du monde. Comment ça tu Changer follow, va te de faire enculer. job. Ah ouais, tout droit. Et toi, ton nom de pirate, c'est pas Méduse Normale? Alors si, moi je m'appelle Méduse Normale et c'est justement parce que Méduse Normale c'était mon nom sur Xbox que j'ai jamais changé. Cependant, Necroz Alors, a c'est réussi à le changer Pod de nom. Spice? Parce que t'as changé de nom Xbox du coup? Et attends, Et le mon Hot souvenir Spice est il est où? bien bon. Pourquoi je vois pas le Hot Spice? Ah ouais, tout au fond, ok. Le Hot Spice, ok. Commandé par Virtual One, ok.
Ok, attends, je prépare mon meilleur accent. Hello, we want our friend to rejoin your boat. Can you please invite him and he will come to our boat, please? Ok, ça me va. Les vocalises sont faites. Ouais, ça y est. Rejoindre. Join. Parfait. J'aime bien mettre des mots français par-ci par-là en vrai. Hein, mais... Pinaise, même vrai, avec plein de coffres, je suis en train de les remplir. Oh putain, ah, c'est beau. Faut que quelqu'un aille à la cale, je crois qu'il y a un bout de. J'y vais. Je relève les voiles pour qu'il voit qu'on est friendly. Ouais, je vais sortir ma porte-voix. Alors, si je vais le relever aussi. Hello, hello, my friend. We are friendly. Don't worry. We don't want to hurt you. I just want to talk to you because I have a question for you. I need to ask you something. We will not fight you. We are friendly. We are just some French, you know, friendly quoi. Genre like friendly yes, quoi. Ouais, ouais. Yes. I will come to your boat, but don't worry, I just want to talk to you, my friend. You don't have nothing to worry. We don't want your loot, we don't want your boat, I just want to talk to you. Ils nous entendent là? Avec le porte-voix, ouais. Je pense, ouais. À mon avis, ils sont sur le fort, donc. Ah, faut utiliser le porte-voix. Il démarre. Non. C'est avec une voix de meuf, on sait jamais là, putain. Attends. Please, friend. No. We don't want to fight you. Look at me. I'm just coming to your boat to talk. Please. You have my word, bro. I'm a man of word. Don't worry, please. Bro, please. Really, it's just our friend. Please. She has a woman voice. Mais c'est vrai que ça peut. Please. Look. My boat. Don't move. Look, my friend. Don't want to talk, we attack you. Mais Necrose, non, là tu vas lui faire peur et c'est sûr qu'il va pas s'arrêter bah du non, coup. Bah si, c'est des menaces. Bah oui, bah du coup on lui demande juste de parler. T'as un requin derrière ton cul. Oh merde. Please, I have a shark behind my back. Tu veux que je t'attrape? On a dit pas en live, Virtus. C'est vraiment dingue, t'arrives pas à te retenir. Sacré coquin, va. Ah oui. C'est un requin, ouais. Sans que je crois que j'ai éclaté. Faut que tu te décales parce que je peux plus te choper. Je vais le défoncer lui, il veut quoi sûr, des sashimi, voilà, bim. Bon bah il se sent barré. Hein. Non, ouais, il se prend un poteau, il est tellement dans la panique là, un oh, poteau. Il panique, on lui tire dessus ou pas? Non, tire surtout pas. Tu peux m'envoyer sur son bateau là? Vas-y si tu veux. Faut enlever un boulet là, je sais pas comment on fait. Attends, c'est bon, je l'ai enlevé. D'accord, hop. Vas-y, je reviens sur le bateau et je vais essayer de me canonner aussi. Ah bah attends, il faut qu'il tourne un peu vers la droite. Essaye de tourner vers la droite, Mono. Attends, bouge pas, je vais remettre les voiles. On le rattrape, t'as un meilleur angle de tir. Ouais, je vais descendre les voiles aussi. Hop, je descends les voiles. Je le vois même. Je vois pas où il est. Attends. Hein. Normalement, il est en face, un petit peu plus sur la droite. Là, on a le vent de face. Il est derrière le rocher, non? Ouais. Please. We don't want to fight. We don't want to fight. On a pas le bon angle pour you can trust us. Really. Look at us. We are no emissaire, we are no reaper. We just want to talk. You can trust me. Oh frère, si t'es français vraiment, on veut juste que t'invites un pote à nous comme ça il peut rejoindre le bateau. Frère, c'est pas ta pute. Attends, là je vais pouvoir te tirer. Don't make your bitch. Ah oui, non mais vraiment, il tire tout le monde. Non, bah, ouais, je pensais que c'était spécial notre relation. Attends, tu tournes trop, Molo. Je peux pas l'envoyer sur le bateau là-bas. Ouais, on a besoin d'un peu plus de droite, là. Ok. Ouais, encore. À mon avis, plus haut. Presque. Encore. Et un peu plus haut, ouais, je pense qu'on y est, là. Look at the gift, we will give you the woman. Là c'est bon? Vas-y, on tente comme ça. We will give you the woman. Oh, il est tellement loin en fait. Mais ouais, mais il se chie dessus en même temps, j'avoue. Attends, on va reprendre de la vitesse. Hey guys. Non, il m'entend pas d'ici là. Hein. Si t'as ton porte-voix peut-être. Vas-y, prends un virage tout à gauche. Un virage tout à gauche. Ouais. On va essayer de prendre de la vitesse. Ah, avec votre bateau, pardon. Putain, mais c'est chiant.
Une femme à la mer, je répète, une femme à la mer. Oh putain, mais il y a du poisson dans l'eau. Attendez, charme à longue vue. Oh oui, c'est un thon. Sortez les cannes à pêche. Tu fais quoi, je continue de nager ou je prends la sirène? Prends la sirène, le sirène, ouais, viens, ouais, viens. Ah mais lui il a peur, c'est sûr, il veut faire que fuir. Faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Ouais, mais après son mais faut, seul moyen... Faut trouver comment lui dire les choses vraiment... Son seul moyen de fuir, c'est de se mettre face au vent. Sinon on ira plus vite que lui. Y'a quelqu'un qui là, parle il a tourné bien à gauche, bien là. Anglais. Moi je peux parler bien anglais, mais le truc c'est qu'il m'écoute pas. Aha, aha. J'ai entendu en trois fois. Oh, putain, qu'est-ce que t'es beau, Virtus Bordel. Tu me fais penser au Renoir sur le bateau dans Astérix et Obélix. Les go, les go go. C'est ça. C'est un mélange de ça et tu sais aussi le Renoir qui fait la famille Andor dans en Amérique là. Ah oui. Ah oui. Il y a un peu de ça. Je le vois plus. Il est un peu à droite. Il est un peu à... Ah oui, ok, je le vois. Il casse les couilles. Ah ça va dégaine. Dégaine, dégaine. Après à tout moment, il va peut-être arriver vers le bout de la map. Par où on va là. Ah non, pas du tout, le bout de la map est quand même hyper loin. On a le vent. Ouais, faut menacer, faut lui dire. On veut juste te parler, mais si tu veux pas parler, on t'attaque. Point. Mais regarde, il arrive à fuir. Ah, okay. C'est ce qu'on lui a dit et il s'est barré. Donc, alors j'entends Nécros. Comment on peut subterfuger autrement? Est-ce que le chat t'as une idée? La chatte. Oh le chat. Oh le chat. Alors, on a un vent de face. Ouais, on va se faire baiser. Ouais, désolé, mais là, c'était plus fort que moi. Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Ayouken. Ayouken. Non, mais lui, à mon avis... Non, mais lui, il a peur de nous, c'est sûr. Là, on perd du temps, en vrai, pour rien. C'est sûr. Ouais, mais bon. Où est-ce qu'on pourra trouver un autre mec tout seul, quoi? Mais on sait même pas s'il est tout seul à tout moment. Là, on poursuit un bateau, ils sont deux, hein. C'est ça aussi le truc, tu vois. Et moi je veux y aller parce que je suis sûr qu'une fille, c'est genre ça peut les dépresser, tu vois. Parce que genre on est nul, tu vois ce que je veux dire. Alors ouais, je vois bien du coup, mais c'est très mal vu, mais voilà. Dans l'imaginaire collectif, bien sûr. Et puis même si c'est l'âge où il allait leur. Ouais, il va. Hein? Il est à gauche là, non? Ah oui, non, alors là pas du tout, Molo, désolé, hein, vraiment. Non, il est sur la droite. Gauche, il y en a un à gauche là, non? Non, 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 celui c'est. On cherche. Donc je vais aller choper celui de Ado. Oui, oui, il y en a un full gauche là, il y a un sloop. Mais c'est lui, c'est Hotspice. Ok. J'étais sûr de le voir sur. Là-bas. Là. Bah, tout coup, droit. Tout droit, il y en a un. Ouais, tout droit, il y en a un. Ah ouais. Ok. Ouais, si tu prends un peu sur la gauche, on peut peut-être le rechoper. Y'a pas un caillou là, un peu sur la gauche? Je vois. Tu peux passer entre deux cailloux un peu sur la gauche. Ouais, tu peux passer. Oh là, on l'entend respirer mais pas parler, tu sais. Putain, mais c'est... c'est horrible. Ouais, par contre, pour son souffle, y'a pas de... Ah, ça coupe pas, vraiment. Bah non, mais du coup, dites-vous. Pas du coup, je rentre. Voilà, tu vois par exemple, continue à respirer, on t'entend comme ça, vas-y. Décale un peu sur la droite. Ou même voilà, carrément gauche ou droite, mais tout de suite. Hein. Ouais. Ouais, mais même carrément ouais, gauche hein, plutôt, sûr. Je pense. Bon. Bah voilà. Bon, oh, ça, ça passe. Et là, tu peux faire gauche de toute façon. Oh, c'est un peu ripied. Attends, mais il alors, doit... il est derrière les rochers en face, là-bas. C'est quoi ça? Ah, c'est des squelettes. Non.
On dirait une sloop. Ah, c'est un sloop et il a les voiles plus ou moins relevées, lui, on peut l'attraper. Pars sur la gauche, ouais, Molo. Il passe entre les rochers là. Passe à gauche de l'île qui est en face de nous, Molo. Yes. Ah non, mais il arrive face à nous là. Non, vas-y, en fait, ouais, continue tout droit, pardon. Ouais. Il a relevé ses voiles, vas-y, ok, canonnez-moi par là-bas. Virtus, ah, je tombe. Jette-moi, Virtus, jette-moi. Tire-moi, Virtus. Ah oui, je vais te tirer. Tirez-moi, bordel. Je vais te tirer fort. Vas-y, bad boy. Attends. Monte-moi le canon bien haut. Attends, ouais, bien haut, bien haut. Décale à gauche. Je crois que j'ai un caillou, attends. Vaut mieux limite que j'aille trop loin que pas assez, Virtus. Ouais, je te tire bien haut, là. Ouais, ouais, là, c'est très bien, là. Direct go maintenant, moi. File. Ok, allez, va-t'en, le village. Hello, hello, my friend. Hello, hello. On va relever les voiles, non? Oui. Je sais pas, parce que s'il essaye de se barrer, c'est pas bon. Essayez plutôt de tourner autour de l'île et moi, je reviendrai en sirène, le cas échéant. Je l'ai mis à moitié. Hello, hello, my friend. Hello, hello. Can I talk to you, please? We are friendly. We don't want to fight. We just want to talk. Can I talk? Cet accent. Vous voulez que je le tente en vrai accent? I'm a man from London, my bro. I just want to talk. I'm very friendly. I have three of my friends on my boat. I'm a French pirate, like other. Tu veux que je t'envoie, mec? Attends, je remonte. Hop. Pierre, j'ai un autre bateau. La grande. Ouais. Attendez, bougez pas, j'y suis. Mais je me dis, si on essaie d'y aller à plusieurs, à tout moment, il va péter un plomb, tu vois. Il va se dire, ouais, il va me baiser, là. Tu vois. Bah justement, s'il voit qu'on est plusieurs et qu'on n'attaque pas. C'est vrai aussi, mais qu'est-ce qui lui dit qu'on n'attaque pas tant qu'il nous laisse pas monter sur son bateau? On a bien le drapeau blanc au-dessus, là. Hello, hello. Hello, hello, my friend. Can I talk? I come to your boat, I don't want to fight. Attends, il s'est passé quoi? J'ai bugué, je vais chez le passeur. Quoi? Je suis revenu dans la cale du bateau, mais c'est une blague, j'étais à côté du sien, carrément. Ah, il a dû te coincer. Ah ouais, sûrement. Vas-y, je veux y aller. Vas-y, rejette-moi, Virtus. Rejette-nous, d'ailleurs, allez, vas-y. On y va tout de suite. Bah, là, il ouvre ses voiles, là. Il ouvre ses voiles. Ouais, mais pas gavé, quoi. Vas-y, c'est maintenant. Vas-y, Nécrose, c'est ton moment. Vas-y, je sais pas super bien parler anglais. Je suis avec toi, t'inquiète. Ah, mais il se barre, non, il s'est barré hyper loin. On va ouvrir les voiles. Je vois pas, là. Il est parti je sur la droite. Je vois pas. Sur la droite. J'essaie de faire demi-tour. Comme ça, on va voir. Bon, Please. Extrêmement loin. Please, friend, come here. We just want to talk. Don't want to fight. Et demi-tour de quel côté? Vers la droite. Il part vers la droite. Droite ou gauche? Droite. We need your help, en fait. We need help comme help. Yeah, she says the truth. We need your help, en fait. Allez, accélère. Comment on envoie les messages déjà aussi? On peut lui dire alliance. Ouais, bien vu. Je sais plus comment on envoie les messages, je sais pas. Et où on part au loin? Allez. Sea of Potter. Il est là. Hi guys. Mais merde. Non, on est plein mort. We just need your help. Please. Merde, j'aurais dû les arpents. Don't run, please. Merde. Bon, tant pis. Je suis allé. Je le vois pas du tout par contre. Il est sur la droite. Oh, ouais. Elle ou la sirène? Oui. Derrière le gros rocher là à droite. Ouais. Là si tu prends un full droite direct. Ouais non, il y a une île au milieu, j'ai rien dit. Non ouais, c'est chaud. T'es
C'est tellement long. Il pouvait doit hablar espagnol, Coco. Là, tu peux tourner, tu le vois, là? Là-bas? Ouais. Hablo. Tu peux régler les voiles, s'il te plaît? Oh ouais, je règle. Donc, carrément à droite, tout. Il contourne les rochers, donc je suis sûr qu'en fait, il faut pas faire le même truc que. C'est sûr. Faudrait prendre entre les deux rochers, et comme ça, on va couper à travers mer. T'inquiète, Fufty, vous embêtez pas pour moi, on aura l'occasion d'en refaire. Bon, bah voilà, Gat, il dit qu'on peut abandonner. On de toute façon, Gat, comme je te dis, demain on geek ensemble, c'est sûr, quoi qu'il arrive. Demain soir, je pourrais peut-être pas. Nickel, bah tu vois, en plus, on sera mieux, Gat, tu vois. Ouais. Attends, si on arrive à quand même. Non. Faut la tenter là. Pourquoi les gens ont peur comme ça? Il est juste là. Il y a deux voies tôt. Il vient, il est juste là à gauche. Il est à quel endroit? Hey friend. Ouais, hey. My friend. Hello friend, we don't want to fight. Look at this, we will not shoot you. Vas-y, quelqu'un peut me coordonner? Virtus? Vas-y. Merde, montez à bord. Ok, c'est bon. We just need your help, please. Hello, we just need some help. Can I talk to you, please? Don't worry, I come but I not kill you. Hello, my friend. Where are you? I'm just here. Hello. Friend, where are you? Where are you? Ah, hello. Are you alone on your boat, my friend? Hello, I just want to ask you something. Can you just invite one of our friends like that? He can join us on our boat because we are four on the galleon, you know. And if you do that, he just come to our boat and we let you alone, you know. We are friendly. We just want to be five on our boat. That will be very nice of you, you know. And we can make an alliance like that. You have some money for our treasure. Attention, vous allez frotter sur lui, les gars. Hein. Look at this. We not shoot you. Les voiles à l'avant, s'il vous plaît. Brother. Ok. Hello, brother. Can you hear me, brother? Les remonter. On peut l'arponner, genre? Ouais. yeah, you can join us, but we just want to ask you if you can invite one of our friends like that. We can be five on your on our boat, you know? Because we are four and we can't invite someone else, you know? Ça lui fait des dégâts si j'harponne? Non. Yeah, I'm literally just doing my quest coming off for the night, lads. I can just give you my friend names, and you just have to invite him, and like that we let you alone, and we'll go on our quest. Oh, sorry for that. I will go to repair. Right. Ah mais non, mais ils sont deux, putain. Ah non, c'est Virtus. J'ai essayé, mais j'ai joué. Yeah, I'm just trying to do my quest. I'll see your name, so I've written down. I'll probably send you, I'll try and join your game after I've done this quest. I've probably done in 5 minutes. En anglais 100%. Okay, you just want to finish this quest and after you can do this for us? Yeah, I'll join you on the gas for you after. Okay, that's very nice. I will give you the name of our friend. Akhenaton, c'est quoi ton nom, Akhenaton? No problem. Il veut dire que s'il veut venir avec nous, il vient. Attends, je comprends pas ce qu'il dit. Vas-y, je suis prêt à écrire le nom d'Akhenaton. What did you say, my friend? Thank you, tu peux l'écrire dans le chat. Oh yeah, you know we are always friendly. We're just here to chill and make some friends, you know. Yeah, no, that's it, man. You guys want to do an alliance so you at least get my payout? Yeah, of course. And like that, you can take our money too. Vas-y, mettez le drapeau d'alliance, les gars. Okay, raise up this. Je sais pas comment on fait. J'y vais. Nous Virtus on peut pas sur son bateau. My friend c'est is going to take the flag. Ah. je peux pas le faire, je suis en train d'écrire. Attends, je vais aller réparer. H 17. Oh sorry. I go to repair, sorry. Ah non, that's well. J'arrive pas à mettre le diesel. Si, c'est bon. Ok, donc là on est en alliance, c'est bon. Alt. Ah, bad.
Vérifier quand même son bateau qu'on le croit. Je n'arrive pas à mettre le... Yeah, on va l'aider en vrai. Il veut juste 10 minutes. Oui. Il veut finir sa quête en fait. J'essaye d'écrire le pseudo de d'Akhenaton, là, mais il y a un hashtag et j'arrive pas à le mettre. C'est Alt avec 3. Ouais, je sais, mais ça veut pas s'écrire. Attends, je comprends. Essaye, juste les numéros derrière, il va capter. Attends, je vais essayer. C'est quoi AKH? Attends, il fait demi-tour. 17. Ouais, parce qu'il finit sa quête. Ouais, il va finir sa quête. 8039. Ouais, il est là quand même. Merde. That's the name of our friend. I stay with you to help you for your quest, my bro. Yeah, AKH. Yeah, and the 8039, it's you know the hashtag before for the gamer tag. Ah, yeah, through the name, yeah. Yeah. You're so nice, my friend. Thank you. Thank you so much. No problem, yeah, thank you very much. Ok, on est bon. Au pire, allez choper des missions en attendant si vous voulez. Bah alors. Sinon, avec l'émote du signe d'amitié, il se trompera pas de tag. Le plus sûr, c'est qu'un de vous aille avec lui jusqu'à ce qu'il se quitte et ensuite vous invitez. Ouais, carrément, c'est ce qu'on va faire, Max. C'est pour ça que moi je reste avec eux. Je vais voir si on a pas de problème. Dans de face. Comment je fais? Du coup, on est en avant-poste. Stockage et tout. Ah là, Molo, c'est vraiment compliqué. Ça doit être. Non, désolé. Tu veux faire quoi, Molo? Vu qu'on est à l'avant. Faire un tour poste. De stockage. Ouais, caisse de stockage avant-poste. Putain, mais c'est fou. Non. Stockage. Et comment. Comment? Il y a forcément une caisse de stockage, je pense. Non, mais même dans le bateau, il y a une. Ah non, Virtus l'a déplacé. Si, si, elle est sur le pont. Elle est juste là, là. Oh. What could. Hop. Voilà. Faut que t'écrives, faut que tu réponds. Eh, hey, ça va, Elphic ou quoi? Que je réponde à la cage, quoi? Bah, elle est sur le chat. J'ai pas vu ce qu'il a marqué. Qu'est-ce qu'il a marqué Bah il a pas marqué... Non, j'entends pas. Tant pis. Décidé... Les deux c'est compliqué. Là, est-ce que c'est mieux? Oui. Bon, on va essayer comme ça. Je vais tourner le micro. Ça doit être ton seuil de déclenchement qui... Qui est trop élevé. Ah ah! I was right. You're the best, my friend. Qu'est-ce qu'il fait comme quête là? Qu'est-ce qu'il fait comme quête là? J'en ai aucune idée et je comprends rien quand il me parle en plus, vu qu'on parle tous, donc je fais semblant d'être super sympa et lui dire t'es trop fort. Ah merde, mais dis-nous de nous taire à ton moment en fait. Bah absolument pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est un vieil anglais qui est là juste pour inviter un pote à nous. Bah justement, il fait l'effort. Oh, enfin, je préfère vous entendre vous que lui, personnellement. C'est chier dessus si tu. Sorry, what did you say, my bro? I like your design of the ship. It's yours or your mates? Oh, thank you very much. Yeah, it's the Ocean boat, nice. like the Jamaican man. Ok. La caisse de stockage a disparu? Non, c'est moi qui l'ai. Allez, tu fais le tour de l'île et tu remplis tout avec ça, c'est ça? C'est ça. Putain, au lieu de faire des allers-retours à chaque fois. Mais oui, mais oui! J'en ai acheté une autre de. Ah, faut les acheter? Ouais. Soit tu les achètes, soit tu les trouves. Enfin. Ok, tu les achètes où? Sur la grosse au ponton, enfin sur la marchande au ponton, pour le plus exactement, pardon. C'est à toi. Oh, merci pour le follow, Mira Medium. Allez, bienvenue. Ah oui, bonjour. Non, moi je suis tombé sur l'aristocrate là. Baron. Le baron. L'aristocrate, putain.
Et du coup, bah, on va pouvoir se mettre Reaper. Oh, you're welcome, my boy, you're welcome. On peut pas lui donner un truc là pour le remercier. Claque dans sa gueule. Putain, vous êtes méchant. Moi je l'aurais invité sur le bateau, moi. Oui. Donne-lui une banane. Sorry my friend, I don't hear you when you are in the water. Ok ok, don't worry my bro, ok. Tacamanit, coquillage abondant, courrier du matin. Je vois pas du tout où elle est cette caisse. Là là, ici. Ouais. Tu peux en acheter. Pas sur la bonne personne ? Là là. Attends. Ah ok. Merci. Ah tu m'as dit là ce gros alors du coup. Ouais après je t'ai dit la marchande. Ouais, dans ma tête c'est la même personne. Alors voir les offres. C'est le truc du milieu, je crois. Parcourir les ressources en building, tout à fait. Alors. Il parle, je sais pas trop s'il grogne ou s'il discute, mais. C'est un vieux ou un jeune. Ah non, c'est. Ok, c'est des. Je sais pas trop. Ils sont Athéna. J'ai pris une caisse de fruits. Est-ce que je prends autre chose? Non, t'inquiète. Même en vrai, la caisse de fruits n'était pas obligée. On arrive vite à court, hein, des fois. C'est ce qu'on a en face de ouais. Nous, là, je sais pas. Ça, on est pas mal. Je sais pas encore ce que j'ai dans ma caisse de stockage, mais à mon avis, déjà, j'en ai pas mal. Du bois ou pas? Non. Okay. Attends, je finis les 4 tonneaux ou 5 tonneaux que j'ai là et je te dis ce que j'ai récupéré à mon avis. À la limite, le plus utile, ça aurait été de la viande. La viande, où est-ce que je trouve ça? La même personne. Ah non, peut-être à l'autre. Par contre, elle est où ma caisse que j'ai achetée mais... Tu te remets en face d'elle et tu fais E. Ouais. Ah oui, F. F. C'est bon, j'ai. Merci. J'ai pas vu de viande, hein. C'était boulette non, canon. C'est la forte. Celle sur qui j'étais en premier, c'est ça? Oui. Okay. Oh non, je me suis fait enculer. J'y retourne. Putain. Si, hein. Je reviens sur le bateau, les gars. Oh merde. Il me semblait que je t'avais déjà follow. Ah bah écoute, il semblerait que non, mais je te remercie, mon ami. Bon bah écoute, on te ramène. Il était vers où, tu sais? Bah on est en alliance, donc on le voit. Ah bah oui, je suis con. Je la mets où du coup la caisse? En bas, en haut? À gauche, à droite, c'est soit là. Côté, mets-le dans le tonneau de fruits direct. Ah ouais, je faisais ça. Voilà pourquoi t'aurais dû le rejoindre, toi. Ah, ok, putain, Max, je viens de capter ce que tu disais, bordel. Ok, ok. Alors vas-y, je vais essayer de le retrouver sur la carte. Ok, on va repartir vers lui, les potos. Vas-y, vas-y, moi je suis dans le bateau. Ah, mais non, il est vraiment juste à côté, je peux y aller à la nage. Attends, même, je voulais juste aller acheter de la viande. Il est à l'ouest de nous, à l'est de nous. Vas-y, je vais y aller. Mais ça m'a pas. Attends. Il est directement dans les tonneaux. À l'est. Si t'as acheté de la viande, c'est là. Ok, par là-bas. Attends. Bah non, j'ai acheté des fruits, mais je les ai mis là. Mais j'ai encore ma caisse, je comprends pas, je comprends pas. Est-ce que je vais vraiment nager tout ce temps? Parce que nos canons ils étaient pas du tout assez contournés. Comme ça. Ah, il y a 0 sur 50 donc c'est bon, ça a bien. Attends, mais je dis de la merde là. Ça a bien fonctionné, c'est bon. Vas-y, je vais vite chercher. Il faudrait qu'on tourne le bateau, les gars, pour me canonner vers lui. Oui. Tu me dis stop. Bah alors attends, bouge pas. Je le vois pas en fait là pour l'instant. Oh, pump the jam, pump it up.
Il est au niveau de notre cul en fait. Ok, en vrai, ça se voit qu'elle fait de la viande. Attends, je suis en train d'essayer de faire demi-tour. Ah oui, je le vois là-bas, ok, tout là-bas au fond. Ouais, donc t'arrives à me canonner pas très loin. Ah, ça, il est là-bas. Ouais, je le vois. Je monte dans un canon à droite ou à gauche, Molo, t'en dis quoi? À gauche. Gauche, ok. Je me mets dans un du milieu. Vertus, tu sais ce qu'il te reste à faire, évidemment. Mais pas tout de suite. Oui. Ah fou, si, tire-moi, là, là. Bad boy. Tu le vois ou pas le bateau au fond? Ah, ça va être court. Hein. Ah, oui, ça va être très court. Eh, mais attends, il a invité Akhenaton déjà. Et tu peux pas faire rejoindre la partie Akhenaton? Quand tu cliques sur lui, tu sais. Attends, putain, je le vois pas du tout le bateau, merde. Est-ce que je nage dans la bonne direction, les gars? Oui. Ouais. Ok. Tout le monde est sur le bateau? Ah non, on est gros. Non, mais je trouve pas sa caisse de viande en fait. Mais en fait, tu lui achètes un stock de viande et il vient directement se foutre dans le bateau. Attends, j'ai le courrier du. Ouais, mais je le trouve pas. Il y a des coquillages. Friend, I'm here, sorry for that. Sorry for that. I'm just here, my friend, in the water. Just here. On a des poêles les rustiques. Brother? Vas-y, j'arrive voir. Ah bah ok, en fait il arrive vers vous. De fleurs évidemment que ce sera pas de la viande, arôme relaxant. Porte en multifonction. Butin d'ami. Il va les vendre, je pense. Ah ouais, ok. Ouais, Akash, essaye de l'ajouter en ami, ouais, et après de faire rejoindre la partie. Non, c'est en gris, je peux pas le rejoindre. Ah, peut-être, putain, il a peut-être fait équipage fermé carrément. Ben non, c'est équipage fermé, c'est les. Pardon? C'est les random. Ouais. Mais même s'il a mis équipage fermé, c'est ses amis qui vont le rejoindre. C'est vrai. Alors, ok, je vais retourner voir le pote. J'ai acheté une petite déco pour le battre. Mais attends, mais pourquoi je peux pas. Ah, parcourir le stock de. Ah oui, d'accord. On peut pas parce que le navire est trop loin. Hello, hello, my friend. Sorry for that. Ah, mais tout à l'heure, il était pas trop loin et j'ai pas That's for you, my friend. Oh, yeah, thank you. Oh, you're welcome. Tu lui as offert. Ah. Oh, thank you, my friend. Il a l'air si gentil. Have you guys got a storage crate? Yeah, of course. On a une caisse de stockage pour lui, les gars. Oui, bien sûr. You wanna take all the resources off my boat? It might help. Do you know what I mean? Like stack it all on. Oh, like because you will quit soon. That's it. À la cale derrière les escaliers. Il y a un mec sur le bateau. Attendez les gars, je demande le silence les gars s'il vous plaît. Okay. Oh yeah, that's very nice of you. And I don't know why because but my friend. Can't join you on your boat. I don't know why. Parce que ça met du temps des fois. Là, on a galéré avec des. Maybe you can invite him, maybe, please. Yeah. Thank you very much, my friend. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Est-ce que je lui mets quelques trucs dans le cache? Non, il dit on peut venir avec la caisse de stockage et prendre tout ce qu'il y a sur son bateau. Je peux acheter des. Attends. Pourquoi il déconnecte là? Ouais. Ok. Et cool. S'il déconnecte, est-ce que du coup, c'est... comme Akhenaton rejoint. Non, ça change rien. Est-ce que ça. Oh, ok. Il faut juste qu'Akash le rejoint avant que. Avant qu'il quitte. Avant qu'il quitte, c'est tout. Du coup, pas besoin de reprendre une caisse de bois, de canon, je répète, mais on sait jamais. Non. Putain, j'ai plein de trucs encore qui sont cadenassés. Caisse de soie en vrac, etc. Je peux pas prendre encore. Ça dépend de mon niveau ou. Sorry. C'est selon les tâches que je fais.
My friend, I propose a song for our friend. Thank you, my friend, thank you, my friend. Thank you, my friend, thank you, my friend. Thank you. That's a very good friend, that's a very good friend, that's a very good friend. Il est où? Il s'est déconnecté. Oh non. That's a very good friend. Non putain, il a fait une putain de chanson. Quel fils de pute. Ah là c'est mon fils. Le bâtard. Bon bah voilà, on s'est fait niquer. Et voilà, putain. Max de la Ciotta avait tout prévu, bordel. Oh putain. On s'est fait niquer les gars. Comment ça on s'est fait niquer? Bah il s'est déconnecté. Des thunes hein. Et alors? Bah alors comment Kenaton le rejoint s'il est déconnecté? Ah il a pas rejoint? Non. Putain tout ça pour ça? Tout ça pour ça. C'est pour ça que je vous disais que le c'est un peu la merde d'essayer d'être tous sur le même serveur. Mais bon tu sais ça dans le vent ça paraît, C'est et il a même. Ouais, il a carrément. C'est son bateau qui coule vu qu'il a déconnecté. Ouais, ouais, non, non, c'est notre bateau qui coule là. Non, c'est pas le. Non, c'est le sien, Necroz. C'est le sien, ça? Absolument, c'est un tout petit bateau. Et c'est un gros fils de pute. Et, merde. Et c'est un gros fils de pute. Putain, mais ça se fait pas. Je comprends pas les gens comme ça. Là. Non, il m'a pas invité, l'anglais de merde. Mais ouais, mais on se doute bien. De merde, enculé. Bon bah Get, on jouera ensemble demain. Quoi qu'il arrive, ce sera moins galère. Là, on a déjà perdu, je pense, un bon 45 minutes. Oh, je pense, oui, facile. C'est sûr, on a commencé à minuit. Non, ça, on a perdu une heure, en fait. Autant pour moi. Et du coup, est-ce qu'on a acheté des trucs pour lui gâcher, quoi? On a gâché des trucs Non, au final, on a récupéré l'oseille de ces trucs, donc tant mieux, tu vois, mais... Et on a les coffres pleins. Bon bah allez, prenons des missions et cassons-nous. Non, ah. en vrai, on est pas mal niveau stockage, là. On y pling. Après, ça va, il m'a donné un poisson, si vous voulez, on le partage, quoi. Cool. Allez, putain, bordel, on prend des missions et on fait le truc. Ah, et en plus, il est reparti naviguer, ce fils de pute. C'est pas vrai. Si, Akhenaton il a vu se reconnecter venez, a priori. On défonce, en fait. Mais il est pas sur serveur du coup. Mais quel fils de. Bon venez, on se met Friendly Reaper. Vas-y Friendly Reaper. Mais en fait là j'ai pas trop envie d'être Freddy, hein, j'ai envie d'enculer tout le monde là clairement. Donc Friendly Reaper mais on leur dit qu'on est Friendly et on les encule. Attends bah déjà il faut peut-être rapprocher le bateau. Quel fils de pute. Je suis en train de choisir un costume pour Arha là. Ah mais Get, si t'as réussi à l'avoir dans tes amis et que tu vois qu'il est connecté, va sur son bateau et insulte-le cet enculé. Coule-le et tout, enfin je sais pas. Ah le seum. Autant il a eu une déconnexion. Autant on l'insulte. On n'aura jamais la réponse du coup, pour moi ça restera un fils de pute. Ah, Fafty, t'es appelé par Bubble. Oui, allô j'écoute. Ok, Nathan il a dit je vais lui envoyer un vocal de tous ses morts. Allô oui, bonjour Bubble, j'écoute. J'avais quoi comme animaux moi déjà? Une chatte. Non pardon, excusez-moi. Il y a de l'eau. Ouais j'avais... Ah oui, merci, c'est ça. Si je peux rendre service. Et du coup, c'est Mulder qui a pas de... Pourquoi Mulder? Parce que c'est... J'ai un renard en fait. Ah. Dans Seven par contre, le niveau de durabilité des murs, il est inquiétant un peu là. Comme en anglais, renard c'est Fox, et bah c'est Fox Mulder. Ouais. Bien sûr. Et elle va s'écouler à force d'attaque. Ah merde.
J'aurais pu aussi être fox terrier. Après, tu peux réparer si t'as des matériaux sur toi, Bubble, avec ton petit marteau. Si tu cliques sur l'autre bouton que pour attaquer, tu répares les murs avec ta hache de pierre, pardon. Genre, par exemple, si c'est des murs en bois, il faut que t'aies. Allez, du bois, évidemment. Pour le réparer, du coup. Tu peux pas acheter un nouvel animal avec 284 machins là. J'en doute, mais tu peux voir ça dans le tab, je pense. Ouais, 499. Tant pis. Tout qui est vide. Ouais, c'est normal, tout est dans notre bot déjà. Bon bah vas-y hein. Allez, bon, Reaper. Ok, y'a Necros sur l'île, en plus elle peut voter avec toi. Retour. Ah, ouais, si j'arrive à. Voilà. Et ouais, Bubble, avec ta hache en pierre, en gros, tu vas contre le mur et t'appuies sur. Je sais plus, normalement t'attaques avec clic droit, donc tu fais clic gauche ou inversement, tu vois. Putain, je sais plus exactement où c'est sur cette île. Je cherche ton pseudo déjà pour te. Je suis pas loin du bateau normalement. Parce qu'il reste 30. Ouais, mais après, il reste 30 que sur un mur, Bubble, donc ça va, tu vois. Ok, c'est mon cheval. Ouais, mais par contre, j'ai pas trouvé encore où est-ce qu'on votait Reaper sur cette île. Je cherche. Habituellement, c'est un petit truc sur la plage. Ouais, ou alors, tu sais, non, même, c'est le squelette qui gueule, c'est à ça que tu le repères, je crois. Ouais. Je ne sais pas du tout, hein, donc. T'inquiète, t'inquiète. Là. Là où je suis. Là où tu es. Ok, c'est ça semble en hauteur. Y'a Necros qui est plus près, nickel. Et je crois qu'il faut être 3. Ah ouais, tu penses? Il est où? Je l'ai perdu. Là. Ah là. Voilà. Il faut être une majorité, je pense. Ok, bon, ouais, voilà. C'est ça. Balé, balé. J'ai envie d'enculer tous les champs. Qu'est-ce qu'on fait comme quête? Enculer tous les chats. Ok, ah, je sais ce qu'on va faire. Quand je dors, je suis chaud en vrai. Là, là, vas-y, je sais ce qu'on. Merde, non, c'est pas lui. Tu dois prendre quoi comme bois? J'en sais rien. En gros, quand tu vas voir, tu vas contre le mur que tu veux réparer, tu fais donc ce que je te disais. Et en gros, si tu peux, ça va le réparer. Sinon, en bas à droite, ça va te montrer ce qui te manque pour le réparer. Elle est où le truc des âmes là? Les crânes? Ah, la madame gothique. Elle est là-bas. Tu veux qu'on aille chercher des capitaines squelettes? Je pense qu'on va faire mieux que ça, on va faire un. Ouais. T'as... Parce que en vrai, les combats, j'avoue. Je crois que c'est les. Enfin, on peut faire ça, tu vois. Pourquoi t'aimes pas ça? Je suis pas hyper fan. Et en plus, c'est des coups à se faire enculer vu qu'on est Reaper. Si les gens ils voient qu'on se bat, ils vont arriver sur nous, tu vois. Ah bah après, ouais. Là, c'était pour l'action. Allez, Cimer, Virtus pour ce sub de qualité offert à The Skull, bien évidemment. C'est le S. Ah, c'est le S. C'est le SK. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Non, je suis même plus sur le stream. Comme tu veux, Molotox. Les gens, Virtus. Bah, attends, Virtus, t'en as jamais fait en plus, toi. Ça. De quoi? C'est. Des bateaux squelettes, en fait, des bateaux fantômes. Je crois que j'en ai fait un. Parce que ça, c'est, ouais, je me dis, c'est clairement le meilleur moyen de se faire couler en vrai, voilà. Ok, bon, j'écoute, parce qu'après on va encore dire que c'est un spécialiste. Non, mais... tu remarques que je ne dis pas que c'est un spécialiste, pas, mais c'est vraiment le meilleur moyen de se faire couler. Alors que l'autre, tu vois, on peut en laisser un dans le bateau qui regarde pendant que les autres y font la mission, tu vois ce que je veux dire? La quête? Ouais, exact. Enfin, toutes les autres quêtes, tu vois. Tout et n'importe quoi, même le cache d'or, tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais, mais Virtus, il a déjà fait la cache d'or. Virtus, il a jamais fait de cache d'or, je crois. Si? Tu passes au quoi? T'as jamais fait de cache d'or, Virtus? Bon, bah allez, on part en cache d'or alors. J'en ai fait, moi ou pas? Ouais, c'est ce que t'as fait la dernière fois avec Bud et tout. Ok. Allez, bah écoute, j'ai pris ça. Comment? T'as mis le kimono? Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Ayouken! Ayouken! Oh, t'as mis ça me hante la tête. T'as mis la bonne main? Ah oui, j'ai mis la bonne main. Et ouais, il est gentil, il a mis 4 fois la bonne main, putain, c'est bon. Bon, allez, du coup, proposer une quête. Proposer.
Qu'est-ce que j'ai? Cargaison. Terré. Ouais, j'ai essayé de jouer toute seule, il y a quoi, il y a 2-3 jours, mais je me suis fait chier. Et pourquoi ça? C'est extrêmement ennuyant. Ah, seul, c'est vraiment... Ah ouais. C'est vrai qu'il y a moins de joie sur le navire, du coup, mais... Ouais. Ouais, puis... C'est la tristesse. Ouais, vraiment. Du coup, j'ai Alt F4. Moi, j'avoue, j'aime bien jouer tout seul aussi, mais c'est plus... Ouais, c'est plus chill, tu vois. Tu vas pas faire des trucs aussi durs, tu vas pas gagner autant d'oseille, tu vois. Oui, ouais, mais... Allez, donc du coup, tu fais le tour de l'île et faire repartir vers où on était, là. Vers où on était, c'est-à-dire quelle direction? Je dirais comme ça, nord-nord-ouest. Ok. Dans mes quêtes, j'ai une boussole avec une clé en guise d'aiguille de boussole. Ouais, c'est fou ça. Est-ce que tu te rappelles de cette boussole, Nécrose? Pas du tout. C'est la boussole qu'il faut que la clé regarde vers le haut et c'est par là où on doit aller. Et tu sais, après, okay, on arrive sur des îles, genre... En bas, à gauche. Ouais. Alors, si vous voulez remettre les voiles aussi, les gars, n'hésitez pas. Et en gros, dès que tu vas voir, tu sais, on va arriver sur des îles pour trouver des trucs, Nécrose, et dès que la clé elle tourne sur elle-même, en gros, c'est là où il faut creuser. D'accord. Ça, c'est qu'en fait, vous allez tellement vite entre les jokes tout le temps, et tout ça. Ah non, on n'est pas là pour blaguer. J'ai beaucoup de mal à suivre ce qui se passe en fait. On n'est vraiment pas là pour blaguer. pas nous, à d'autres. Hein. Tellement pas. Ouais, je peux repartir. À gauche, tout. Enfin, selon la clé. Alors, est-ce que je me fie à la clé là déjà sur le bateau ou... Là, tu te fies à la clé, absolument. Absolument, là, ça, on va trouver. Ça va nous amener vers une île. Et sur cette île, on va avoir des morceaux de parchemin à trouver. Voilà, grâce à cette boussole, donc tu vas voir quand tu seras sur l'île, la clé va beaucoup plus trembler. Ouais. Donc c'est comme ça que tu vas voir que tu te rapproches, et quand tu arrives au-dessus du trésor, elle se met à tourner sur elle. Là, tu déterres, okay, et tu vas avoir un bout de parchemin. Il faut récupérer 1, 2, 3, 4 bouts de parchemin peut-être pour... ce sera nos 4, c'est ça? Et ça, non, après, sur ce parchemin, on va aller choper Totem. Et ensuite, sur ce totem, on va aller. Il va nous dire sur quelle île se trouve la cache qui correspond à ce totem. Et là, on va aller ouvrir la cache et prendre tout ce qu'on peut. Ok. Comme la dernière fois, tu te rappelles pas quand on avait sorti. Tous les coffres. Exactement. Voilà. Exactement. Ok, d'accord. Et en gros, comme l'a bien fait remarquer tout à l'heure Molotox, en fait, là, on va récupérer des bouts de cartes comme moi hier soir totalement déchirés. Et grâce à ces bouts de cartes, on va repérer une île. Je savais pas que les cartes aussi se mettaient des mines, mais... Ah ben on est quand même des pirates des Caraïbes, il faut pas l'oublier. Ok, je pense que ça va être la petite île sur la droite, là. La petite île sur la droite, alors les je ne vois pas avec les... Ah, rarement vu, ça. La toute petite île à droite, là. Je vois. Et alors là, c'est en gros, si on a de la chance, on trouve la clé, on trouve la petite croix sur le premier bout de parchemin trouvé et on va reconnaître. Si on a moins de chance, on est obligé de choper 3-4 bouts de parchemin. C'est vrai. Tu sais quoi, Nécrose, sur cette petite île, on va te laisser descendre et tu vas essayer de trouver ce qu'on cherche, du coup, pour voir si t'as capté un peu. Franchement, volontiers, parce que sinon je progresse pas, quoi. Tu vas voir. C'est toi qui va descendre. Là, du coup, quand on passe à côté, remontez les voiles, les gars. Et quand on va passer à côté de l'île, fais un dash, vas-y, et on vient te récupérer après, t'inquiète. Monté. Allez, vas-y, ma petite Nécro, c'est ton moment. Donc, muni de ta plus belle boussole, tu te rends sur cette île. Tu cherches l'endroit où la clé, celle sur la droite là. Mais indiqué par ta boussole en fait, regarde. Si tu prends ta boussole, ça va t'indiquer par là-bas, tu vois. Le bateau qui est à droite, c'est un bateau fantôme. J'aurais pu me jeter d'une meilleure façon, vraiment. C'est pas un... Si, c'est pas tout squelette. Ok, je le voyais pas, ouais. Ok. Non, mais merci de me laisser faire ça, c'est gentil, parce que sinon... Mais frère, il faut bien que tu comprennes. Il faut que tu fasses un dash. Ouais, fais un dash. Ça, c'est ta première mission. Qu'est-ce qu'un dash? C'est ceci. Je me mets au bout du mât, je fais comme si je chargeais une attaque, et je me laisse porter.
Voilà, ce que j'avais demandé depuis où je fais ça. Depuis où tu veux, tant qu'en fait ton dash t'emmène directement dans les airs, sinon ça marchera pas. C'est clic gauche déjà ou... Comme une attaque chargée, donc c'est clic gauche, ouais, pendant longtemps, c'est ça. Voilà. Donc ça a pas marché. Si, 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 clairement. Ah ouais? Ah oui, bah regarde juste où t'es allé. Sinon, jamais. Et donc là, quand t'es sur l'île, tu sors ta petite boussole de mission, du coup. Ok. Oh, il y a des méchants. Bon, bah, c'est... Non, tu es un non, peu là. Virtus. Non, Tupac, faites pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il me pointe avec son fusil, là, son gros fusil. Oh là là, il y a des... Regarde C'est quoi ça? Molotox comme la Maître des stagiaire. clés cendrées. Comment ça? Ah ouais, c'est la merde, Oh ok. non! Il faut qu'on aille l'aider. Vous plaît, c'est vraiment... J'ai pas envie d'acheter ma soeur. Non, je pense que ça va être trop loin, mais... Non, c'est bon, je suis là. Oh putain. Ah non, putain, je suis pas là. Ah oh, merde. Putain, 2 secondes. Ah, rien. T'inquiète, on bute les squelettes et on t'attend. Ouais, toi tu Oh, cherches... je peux de même. Toi ton objectif c'est de Ok, chercher le d'accord. trésor, nous on tue les gens autour de toi. Allez, ça marche. Ah, une clé sombre du coup. Je suis contente de faire ça de ouf. C'est vraiment ça en fait, on a changé les enfants et le babysitter. Et Virtus, la Impossible prochaine de île c'est prendre pour la toi. femme depuis du sort, vas-y. Hein? Virtus, la prochaine île c'est pour toi où tu feras exactement comme Nekros du coup. Oui! Moi Mais c'est génial, je vais tuer franchement. des cochons moi. Ah oui, bon. Ah ouais, ça c'est une bonne idée ça. Comme ça après tu peux faire à manger aussi. Allez Nekros, c'est Ouais. reparti. Let's go. Un panier à serpents. Alors. Ok. Oui, c'est ça qu'on veut, Nécrose. Et donc là, tu récupères ça. Allez. Oula, attention, c'est la merde. Ah oui, c'est les squelettes en toile de jute, putain. Donc là tu vois maintenant Nekros, si tu vas dans tes quêtes, t'as un nouveau bout de carte et quand tu regardes tu vois bah, c'est un bout de carte déchiré qui te donne plus ou moins l'indication sur une île tu vois. Ok. Genre ça tu vois. Molo, tu peux me Attends. reposer. Bien sûr. Hop. Et donc Vas-y, tu me je me disais avant penche. c'est un bout. Merci. Ok, donc là il faut que j'en trouve d'autres. C'est ça. Et là tu vois on a déjà un bout de la croix donc on est bien quand même parce que ça veut dire qu'au Ah, final. ça tournait là. Au final si au bout de. Non, ça tourne pas. Au final, je t'écoute, pardon. Et au final, tu vois, genre même à tout moment, si on trouve 2 bouts de carte, vu qu'on a déjà la croix sur l'île, mais au final, à tout moment, avec 2 bouts de carte, on peut reconnaître l'île et on n'a pas besoin des autres, tu vois. Oh, c'est un bébé au feu d'artifice. Ok, j'ai reconnu l'île. Ok, bah c'est parti. Parce que Molotov, c'est très fort pour reconnaître les îles, il faut le savoir. Sud. Mais c'est bizarre parce que là, la clé, elle m'indique Est-ce que ça serait pas Oui, d'aller juste au fond, mais... la clé là, elle va t'indiquer d'aller à la prochaine clé. Enfin, au prochain bout de parchemin, pardon. Mais Voilà. là, mais il n'y a plus rien, il y a de la flotte après. Parce que c'est sur une autre île, Nekros. Ah! C'est pas C'est vous que en face le bateau là? Non, c'est un bateau squelette, je crois, non? Je pense que oui. Allez, Ah Nekros, oui. remonte sur le Usain Boat. On fait quoi, on le tape? On n'est pas obligé, non? Je pense que je peux dans On les. s'en bat un peu les couilles. Hein. Il y avait des calices aussi là, Après, on les avait ramassés. on peut très bien le faire parce que c'est une sloop et ça va nous faire gaver de loot pour l'émissaire. Vas-y, faisons ça alors. Je Vous remonte la avez voile. ramassé tous les Ok, calices à ou. vos canons. J'ai tout ramassé au harpon, tout ce qui était sur la plage. J'avais tout posé au niveau Et du harpon, je il crois. manquait un calice. Oh, bah Est-ce que quelqu'un peut calice. me harponner? Parce Oh, que là, c'était j'arrive pas. calice. Alors là, c'est un peu complexe, mais on va On freiner, le je met crois. où? Ouais, on peut Là, pas. ouais, sur la plage, vas-y. Exactement par là. Oui. On y est presque, on y est presque, on y est presque, on y est totalement. Yes, motherfucker. Non, Ah, où non, est-ce que je moi le c'est mets? feuf.
pardon pour... Je suis bien touché, je crois. Oh oui. Vous les avez mis où? Attention au cadeau. Ouf. Mettez un petit coup de voile, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Non, il arrive sur nous. Les calices, vous les avez foutus où? À côté du harpon, je pense. Côté du harpon. Harpon. Là, il va prendre l'eau, là. Il va prendre l'eau, là. C'est qui, Lola? Voilà, il coule. Hein. C'est qui, une catapulte, là? Ah, bah, ça y est, il coule. Ah bah, ouais, c'est fait. Ok, cool. Très bien. Ok, j'ai chargé un boulet incendiaire sur celui-là. Le boulet incendiaire, il reste tout le temps ou pas du tout? Tant que tu le laisses, oui. Dans le canon, on est d'accord. Ouais, tu peux. Pas nous faire éclater, quoi. Non, pas de problème. La terreur. Ah oui. Vois-tu le loot arriver? Eh bien, oui, ok. Il est un peu plus loin que moi, en gros. Donc là, je dois aller sur cette île, là, c'est ça? Oui. Pas du tout. Non? Tu veux aller sur quelle île, Necrose? Bah, je sais pas, c'était pas fini. Enfin, j'avais pas encore des trucs à faire avec la... Non, là, vu que Molotox il a reconnu l'île, au final, on va se péter directement sur la vraie île pour aller creuser avec la carte. Donc ma mission est terminée, c'est ça? Ouais. Et même dans tous les cas, normalement, t'as qu'un seul bout de carte par... un seul bout de carte par île, en fait, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, vu que t'avais déjà trouvé le bout de carte, on pouvait se casser, quoi. Après, ça dépend, il y a des îles où tu en as deux, mais en général, c'est des grosses îles. Ouais, c'est ça. C'est des petites, ouais. On peut mettre là-dedans. J'ai mis une caisse de pierre volcanique à côté de la table, à côté de la map. La table map. À côté de la carte. Ah, c'est parce que t'es bilingue. C'est bon ou pas? C'est ça, on retrouve plus les mots. Ah, je reviens, je vais voir si j'ai un origami. Si t'as un quoi? Un origami ou un origami? Origami. Et voilà, on n'est pas prêt de manquer de mitrailleuse en tuyau. C'est beau ça, Bubble, si merde. Bon allez, du coup on se casse, et Molo il a dit que c'était par où déjà l'île, je sais plus. Sud quelque chose il a dit, je crois, tout à l'heure. Si vous voulez mettre les voiles devant et au milieu les amis, n'hésitez pas. Ça roule. Et merde. Et où le sud? J'en ai marre. Non mais je vois que t'étais d'accord avec ça, Necrose, hein, vraiment. Mais bon, voilà. Molotax, t'avais dit sud quelque chose, non? Pardon? T'avais dit sud quelque chose, non? Oui, sud-ouest. C'est ça, ok. En avant. Yeah. Encore droite. Et c'est parti. Ladies et gentlemen. Ok. Welcome to the Ocean Bob Boat. Please feel free to ask for some refreshment or to eat something. If you want to eat the captain, you can. You just have to go to the cabin of the captain. Thank you. Putain, c'est beau, Virtus qui règle les voiles à chaque fois, bordel. Ça, c'est vraiment. Virtus, c'est l'intendant du bateau, un peu. C'est un super réflexe, ça, par contre. C'est un très beau réflexe. C'est un truc que je maîtrise pas du tout. Ouais, là, on est bien, ok. Est-on loin, Molo, tu crois? Un petit peu, ouais. Ok. Ah, c'est ici pour les feux d'artifice. Bah, en fait, il faut juste que t'aies des feux d'artifice sur toi, tu vois. Ah, putain, est-ce que j'en ai?
Sinon, il y en a dans les tonneaux en bas. Absolument. Tu vas au tonneau. Là, il y a une caisse. Tonneau de boulet de canon, le tonneau en bas à gauche. Ok. Trop bien. Alors. Wow, c'est un singe. L'artifice du Burning Blade. Arc-en-ciel de scintillant. C'est la conquête basse qu'on va, Molo ? Ouais. Ok. Ouais, donc on peut repartir nord carrément. Comment ça ? Eh ben, on peut aller vers le nord quoi, enfin je voyais pas trop. Mais attends. Attention, feu d'artifice de l'arc-en-ciel au scintillant. Par contre, on a déjà dépassé ? Non, c'est ça, non, attends. Ben non, mais ah oui, non. là tu vas vers le nord, on est d'accord hein. Non, je vais sud-ouest là. Mais c'est non, mets-toi dans l'autre sens. Mais frère, la carte, il faut la regarder dans l'autre sens, la carte. Ah ouais, ok, c'est ça. C'est donc ça. Super. Donc tu peux aller sud du coup, carrément. Je comprenais pas, je voyais le nom des îles à l'endroit, tu sais. Quel connard. Vas-y, je vais commencer à remonter la voile de devant déjà. Oh merde, merde, ah, j'avais pas vu ça. Comme un caillou. Ah, il y avait un rocher devant. Non, accrochez-vous. Ça passe. Voilà, ça a à peine frotté. Feuf, où est-ce que je place mon premier PNJ? Bah alors, où tu veux, et devant la maison, en gros, Bubble, de préférence. Il y a aucun dégât. Ok, il y a un bateau squelette là-bas, un galion. Je peux le tenter. En vrai ça passe, t'as vu comment il est passé celui-là? Ouais, l'autre c'était un sloop. Ouais, c'était un sloop, mais je veux dire c'est les squelettes. Ouais, c'est pas dit. Ouais, c'est le squelette. Vas-y, vas-y, en avant. Genre, il y a alors un qui est à la barre, deux qui est au boulet, deux qui se mettent au boulet, et un qui se met à la première boîte, la première cale en bas pour réparer, pour écoper, et appeler si c'est la merde. Vas-y, je vais réparer et couper, moi. Chargez-vous en boulet. Il est où, là? À droite, là-bas. À gauche, pardon. À droite, à gauche. Vas-y, je suis au canon. Réglez les voiles si vous pouvez avoir un peu de vent. Il sens. Attends, je vais baisser la voile de devant, carrément. Ah oui, d'accord, là-bas. Il est à droite. Il est... Ouais, il va nous passer devant, là même. Je le vois plus. Il est vraiment en face de nous, là. Ah si, ok, en face, ok. Ok, si vous pouvez remettre les voiles face au vent. Ok, là on va pouvoir le shooter dans peu de temps. Laisse tomber les voiles, Virtus, mets-toi au canon. Canon chargé. Mais quand vous pouvez. Là dans très peu de temps, genre là là. Wouah. Allez, dès qu'il est touché, c'est bon. Ok, touché. Bon, touché. Retouché. Là on a. Enfin moi j'ai plus de fenêtre personnellement sur mon canon. Là, faut tourner non. Ouais, ça arrive, c'est bon, c'est bon. Alors je vais tenter un truc aussi. Oui, c'est moi. Allez, Necro, c'est bon, t'es à ton poste. Absolument. Waouh. Ils m'ont défoncé. N'hésite pas à appeler si t'es dans la merde, Necro. Est-ce que je suis le seul à avoir les squelettes qui volent là?
Ils sont dans l'eau là. Est-ce que t'es le seul à quoi, Feuf? Je voyais des squelettes qui flottaient, tu sais. Ah bah oui, je les vois aussi, ouais. Attends, je vais chercher les boubés. Oh là, on est trop loin. Ah oui, ouais, c'est on est vraiment loin là. Ok, j'ai levé le voile arrière. Et il est en train de couler. Ouais, carrément, il coule. Ah ouais? Ouais, il coule. Il est droit. Il y a des trucs à récup. Attends, mais il y a des fois, on leur en met 18, ça passe pas, tu sais. Là, on en met 3. Ah, mégalodon? Non. Si. Putain, je trouve pas le tonneau de bois. Putain, il est au premier étage, ici. Je le vois plus, le bateau qui gagne. Celui-là. Mec. Il est ici. Oui. Là. Les gars, est-ce que quelqu'un sait quel endroit le bateau a coulé? Je le vois pas du tout. À droite, attends. Ah oui, tonneau de bois, pardon. Putain, je croyais que c'était de la bouffe en fait. Merci. À droite. Levez les voiles, s'il vous plaît. Vas-y. Besoin d'aide en haut ou absolument pas? Ouais, tu peux en haut. Oh putain. Wow. Et bah, je retourne en bas. Faut lui tirer des boulets, non? Ouais. Un peu, ouais. Ah. Ça coule, non? Et où? Need help, je crois. Ouais. Ok, j'arrive. Pas si sûr, en fait. Je reste en haut. Où c'est qu'il a coulé, déjà? Ça va, on avait qu'une seule... Mais le galodon il a disparu. Ah, on a dû sortir de sa zone d'attaque. Bah écoute, le bateau. Je vois pas du tout où est-ce qu'il a coulé. Je vois pas de loot. Essaye peut-être de faire. Ah, attends, je vais monter en haut du mât. Ouais, j'y suis. Oui, mais peut-être que ça passe-t-il. D'accord. Tu veux que j'essaye de bouger un peu? Bah non, parce que je peux faire le 360, là je peux partout, mais non, mais tant pis. Direction Crooked Mast. Ok, qui se trouve en face de nous, je crois. Non, j'ai beaucoup tourné hein, dans le fight. Ok. C'était sud-tout. Ouais, Fufi, apparemment ton attention est requise par notre cher Belvé. Allo, oui, bonjour. J'écoute. J'ai remarqué que dans le chat, les gens aiment beaucoup faire du teasing. Ils m'appellent et après, ils me mettent le message. À droite, il y a des mouettes. Je sais pas si c'est un rapport. Ça peut être une épave, en effet. S'il n'y a pas les oiseaux et qu'il n'y a pas eu le dong qui l'a coulé, c'est qu'il s'est enfui. Ok. Ça marche, Max. Ouais, mais on l'a vu quand même. C'est cool. Ah oui, il était en Y. Allez. C'était tel un cross volé. Le message est plus haut. Bon, allez, du coup. Ah, il est là, regarde. Il y a un rail qui a pop avec un flot de baiser et un katana, il est actif. Ah, il y a des trucs à harponner là. Alors, j'en ai aucune idée, Bubble. Encre. 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 Oh putain, je peux plus harponner. Je saute à l'eau. Bye. Ok, relève les voiles, on va tourner le bateau. Ouais, c'est ce que je fais. Attends, j'ai jeté l'encre donc tu pourras pas tourner là. Il faut juste que toutes les voiles soient relevées. C'est bon. Ouah, j'ai un trident des mers, je sais pas quoi là. Ça c'est pas mal pour tuer les mobs ça. Et je peux le garder pour moi? Ouais. Ouais, pour tuer les mobs carrément. Et ça reste... imaginons je me déco, on rejoue demain, est-ce non. que j'ai encore ou... Pas du tout. Non. Pas du tout. Ok, donc du coup là maintenant, faut tourner à gauche. Ouais, c'est ce que je fais man. Superman. Oh, tu sais, man, on est là, man. Ok, il y a un peu de loot en plus, c'est cool. Là, t'es bien, man. Encore un peu. Ok, man. Raté. Raté.
Raté. Y'a le chacal. Ah, merde. Ça c'était moi ça. Je peux pas avoir le truc qui est tout à gauche là, Feuf, si tu veux. Attends, les trésors on les met où là? Bah. Mets-les dans, au premier étage. Enfin, mets-les au moins 1 quoi. Où ça? Genre là, tu vois, en bas des escaliers à gauche de la carte. Okay. C'est là qu'on fout normalement. Ok, c'est bon. Tout est là. Donc sud toute. Il manque plus rien? Non. Je crois pas. Mais merde. Sud toute. En bas, est-ce que t'as du bois, Nécrose, ou t'étais obligé de faire des allers-retours, toi? Non, ça a été. Mais tu peux les vendre, les tridents, maintenant, un peu cher, mais ils se vendent. Ah oui, non, peu cher, pardon. Et oui, c'est vrai. Ils se vendent peu cher. Peu cher, peu charrette. Le petit elfique, quoi. Comment tu vas, mon petit elfique, depuis le temps? Ça fait un moment que je suis pas passé te voir, d'ailleurs. La caisse de stockage au devant du navire, là, je la laisse là ou hop? Oui, on s'en fout. Oui. Ok. Ça me bat les couilles. Hein. Donc sud toute. C'est allez. Parti. J'ai des espèces de coups de barre sa mère. Bah de toute façon, on fait ça et puis. Ouais, je pense que moi après cette mission carrément, je vais pioter. Ouais, ouais. Je pense dans allez 30 minutes max, c'est fini. Non, spécialisme. Ah ouais, si vite. Je pense, hein. Je dirais. Après, pas très loin, mais j'aurais plus dit 45 minutes, 1 heure, moi, quand même. Oh non. Bah, regarde, imagine, ne serait-ce que si l'île, elle est à 7 ou 8 cases, là où on doit aller. Plus le temps de faire la cache, plus le temps d'aller vendre, à tout moment, si t'as pas un squelette ou quoi. Déjà, là, on est. À... Ouais, après, c'est vrai. Que... Ah, tu, vois non, que... tu vois ce que je veux dire? Remonte. Nord. Va nord-est. Nord-est, ça marche. Ouest. Nord-ouest, ça marche. Du coup, c'était dans l'autre sens, ouais, bon, nique sa mère, je vais faire le tour comme ça. En fait, on l'a dépassé. Enculé, putain. J'ai l'impression d'avoir pas d'air. Oh merde, je voulais pas faire ça. T'as fait quoi? J'ai tiré avec le trident, ça fait des dégâts? Non. Non. Je voulais grave pas faire ça, en fait, je voulais prendre de tambour. Ça a rien à voir. C'est dingue, putain, j'ai l'impression de m'être couché à 4 grammes hier, quoi. Pas 6? Oh, je sais pas, trop. Beaucoup trop. Et vraiment, hein, alors, sans vous commander, les amis, hein, n'hésitez vraiment pas à mettre les voiles quand vous voyez qu'on navigue. Mais, oui, mais je veux juste qu'on soit dans la bonne direction. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on n'est pas très très loin. Et si on met les voiles là, on va la redépasser. Ok. J'en ai descendu une, s'il faut la remonter, je la remonte instant. Remets la barre droite. Bien sûr. Et l'île doit être devant nous. Ouais, c'est ça en face de nous là-bas. Ok, ça marche. Elle était pas à fond? Merde. Si, je crois. Non, je viens de te voir la redescendre un peu plus. Oh, il est mort. Je t'ai connu maintenant. Qu'est-ce qu'il est? Il était au bout du bateau ou quoi? Oui. Ah, règle numéro 1, qui va au bout du bateau sur ballot. C'est l'endroit en plus. Non, c'est l'endroit interdit. En fait, il m'a vu sortir ma boule de KO là. T'as sorti ta boule devant Virtus. Attends, putain, mais vraiment les gars. C'est KO. Regardez, Afra, il est si heureux. Non, je sais ce que tu... Laisse-le. Non. La souffrance animale. Je vais appeler Bardo, hein, directement. Hein. On part par là. Hein. Non, regarde. Je m'en fous, de toute façon, c'est un pierre qui sort. Chopez-le. Mais non. C'est méchant. Eh, on est des pirates, Nécro. Rappelle-toi le premier mec qu'on a croisé dans cette session. Voilà. Mais oui, mais c'est la famille. Il y a un bâton en face là. Attendez, ouais, excusez-moi, il y a un trou dans la coque, je me permets de le réparer. Ah bon? Ah oui, fais-toi pas. Les voiles, s'il vous plaît. Ah, bien, ok, il y a deux chef, trous dans la coque chef, en fait. Attends, excusez-moi, vraiment. Je répare les trous de la cale. Souquez les artimuses.
pas vu cela, excusez-moi. Oh, bah aucun souci. Les voiles, il faut faire quoi avec les voiles? Les relever. Les remonter, laissez juste celle avant. Ah, d'accord, super. Bien, c'est là avant ça. Oh, bah c'est bon. Et si tu peux juste la régler pour qu'on prenne le. Ouais. C'est parfait. Ah bah non, on peut pas prendre le vent là, c'est impossible. C'est l'île qui est derrière le rocher là? C'est le rocher. C'est le rocher. D'accord, c'est le rocher. On l'appelle Yves. C'est... c'est le R. Excuse-moi, ah bah attends, putain, pardon, excusez-moi. Bonjour monsieur le Martelot, ça faisait longtemps. Ah vous savez, moi j'adore jouer aux pirates avec votre fils. Et puis si tu remarques, il a plus un poil sur le caillou. C'est vrai, mais c'est un peu une fusion de ton père et de mon père du coup. C'est Pierre-Yves. Oh putain, je vois qu'il y a un troisième bateau devant là. Oh bah génial. Alors on va voir la carte au trésor. Ouais. Pour cette île, il faut se resservir de la boussole, c'est ça? Et ouais. C'est-à-dire tout ce qui s'en occupe. Non, là il faut te servir de ça. La carte. Ouais, mais on a rien. Bah tu sais juste que c'est au final c'est au sud de l'île. Sud-est. Vas-y, de l'île, mec, il semblerait. Si tu veux le faire, on n'aurait pas pu avoir plus de bouts de cartes sur l'île. On aurait pu, mais c'était pas forcément nécessaire. En fait, on aurait perdu du temps, quoi. Là, on peut reconnaître, en vrai. Et donc, on a dit qu'il faut aller au sud de l'île. Donc, sud de l'île, on tu y sais, est, ouais, c'est juste à côté. Tu repères le petit rocher dans l'eau. Et c'est le ouais, coffre, mais... il est juste en face, il est dans le chemin. Petit rocher dans l'eau. Genre, il doit être quelque part par là, en gros. Pas très loin de ce serpent. Tu peux aller réparer, s'il te plaît. Attention, des crabiers. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'est des crabiers. Ah, ok, bon. C'est quoi? C'est les nouveaux. Pardon, c'est apparu à la dernière mise. Ah ouais. Ils sont imbutables quand ils ont leur truc. Ah ouais, ils cassent les couilles quand ils font ça, carrément. Mais par contre, il y a gavé de nouveaux squelettes là qui cassent les couilles aussi que je connaissais pas avant. Aïe, pardon. Gardien des cendres, tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça, j'avais jamais vu. Gardien des cendres. Alors, soyez prêts parce qu'à tout moment le bateau pirate va nous attaquer. Hein. Soyez prêts à dire vite. C'est un vrai pirate ou. Le squelette. Ok. Oh putain, je vais y crever là. Pipe, 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 pipe et jambes de bois, jambes, et pipe et jambes de bois, la pipe, la jambe là, de bois. Ouais, il est stock un peu le bateau là. Bah, c'est un galion. Hein. Au nord, c'était les galions. J'ai envie de le shooter. Non, man. Laisse-le en paix, man. Regarde comme il est beau, il est gentil. Là, j'avais un angle parfait pour le buter. Jack. Là j'en ai un autre, putain. Juste un. Biscuit fanning est. Oh la vache. Putain, mais j'ai plus de munitions là, y'a pas une bourse de munitions. Alors attends, vas-y, je vais essayer de voir si ce que Dodo disait est vrai. Oh, wow. Mais tu sais, le truc qu'il disait, j'ai l'impression que si on tire sur le cœur des crabiers, mes couilles. Je vois. Est-ce que si je mets les trucs là, vous pouvez les reponner, les gars? Attends. Je suis dans la cale. Oh oui, t'inquiète. Non. Ok, un peu plus à gauche. Là, c'est le maximum où je peux aller. Vas-y. Mais putain. Chier, c'est crabier de merde, là. C'est c'est des mouvements, en fait, sur... Il y a des crabiers aussi, faites gaffe, c'est tout. Merci, merci beaucoup, Max. On s'en sortira jamais. Je pense que là, on a créé des monstres nous-mêmes. Ah oui, oui. Des rongeurs. Grave. Je suis tellement heureux, tu vois. C'est vraiment, on a ce qu'on mérite, tu vois. C'est pour tous les gens que j'ai pu ronger avant. Alors. Vas-y, ça va être. C'est tout ça. Dégage.
Alors voyons voir, on a dit que le coffre il était... Nique toi. Est-ce que tu veux que je vienne vous aider ou quoi? Ouais, ça bon c'est fait mais je dirais qu'il est quelque part par là quoi. Je suis pas persuadé mais... Et c'est là qu'on voit que Coco n'est pas un habitué de cette chaîne. Car il a mis nouveau, nouveau... Et oui Coco, il faut venir plus souvent Coco. Si tu apprécies l'humour... attention Nécrose. Attention Nécrose. Oui. Oui, oui. attention. Ok j'arrive. Un peu quoi. Ah non t'es pas dead, ça va. Ok alors... J'ai failli hein, clairement. Je suis... Il me reste rien. Je vais mourir, je meurs. Tu peux me... Tiens, attends, je te pose ça là. Non, c'est pas vrai. Merde, merde, non, mais non, putain, j'ai fait de la merde. Vas-y, je m'en branle, je meurs avec toi. Ah, ça a pété. Le petit chemin, il y a un bateau derrière nous. Ah, mais on est avec Nécrose, on se regarde mort dans les dans le blanc des yeux, du coup. Le rouge, peut-être même plus, vu comment t'as explosé là. Là. Il y a un bateau squelette pas loin, ouais. Ouais, mais il se fight avec un sloop ou je sais pas ce que c'est. J'ai pas que ça à faire, bisous. Ça marche. Eh bien, bisous, Coco. Ah, bah c'est Hot Spice. Ah, bah c'est. Le bateau fantôme. Attends, mais Hot Spice, c'est le poteau de tout à l'heure. Ah non, j'ai crash. Ouais, ouais. Et comment ça? Ah, j'ai crash. Comment ça, Hot Spice, le fils de pute, il est de retour dans notre serveur? Non, c'est pas lui. Tu sais, Hot Spice, c'était le premier bateau qui a fui là. Oui, bien sûr. Ok, c'est bon, j'allais. Oui, le deuxième, je sais plus ce que c'était, mais okay. Alors attends, sud. Comment ça, Nécrose a quitté l'équipage? Elle a bugué, elle a ouais, dit. J'ai crash. Ok. Elle a crash. Elle a bandicoot. Ouais. Belle. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu du bruit. Un silence a suivi. Encore un petit délit. Enfin, c'est ce qu'on dit. Pas vu, pas pris. Et wait for bien évidemment pour ceux qui se demandent. Ah ouais là j'avais pas. C'est normal, je et suis... Eh ben, si Austin ne s'est pas fermé correctement lors de son dernier lancement, voulez-vous vérifier l'intégrité des fichiers? C'est un peu d'information de la page, HTTPS. Ouais, ça c'est le genre de truc où il faut dire non je crois, parce que sinon ça dure gay longtemps de vérifier l'intégrité. Je crois que oui. Je crois que j'ai carrément mis non tout de suite. Hein. Ok, donc là je pourrais être un truc qui pourrait ressembler à ça. La boussole. Alors rien voir. Putain, j'ai des crabiers de partout là. Échec de la connexion à l'équipage. Comment ça? L'équipage n'existe pas. Alors C'est sympa pour vous. C'est voilà. Essayez de quitter le jeu et de revenir. J'avoue, il nous juge un peu si active en vrai. Ok, donc là ça doit être ça. Ensuite, ah, là, ouais. Il y a un petit truc avec les vins. Ok, moi je suis là. Là, là. Xbox. Là, ensuite. Timber. Putain, mais casse-toi, toi. Attends, vas-y, Molo, je vais venir te... fait, des créateurs de Rick et Morty, là. Allez, sur le Game Pass. Ouais, celui que je te regardais jouer, là, en live. Absolument, tu as kiffé, je pense. C'est complètement con. High on Life. High on Life qui veut dire perché dans la vie, bien évidemment. Hein. Ça veut dire quoi? Bah, en gros, perché dans la vie, c'est high, c'est défoncé, perché. Enfin, c'est hauteur à la base, mais c'est aussi ce qui est utilisé pour les drogués, tu vois. Hey. Ouais, ça se tient bien. Mais clairement. Nécrose, fais comme si tu lançais une nouvelle partie, il va te proposer de rejoindre l'ancienne session. Ah. Je vais, vous savez quoi, je vais même faire un petit jingle. C'est les conseils de qualité de Max de la Ciotat. Vraiment, mais merci Max de la Ciotat, mais c'est excellent ce pseudo en plus de la Ciotat. Max de la Ciotat, il est toujours de bons conseils, vraiment c'est dingue. Très bel endroit d'ailleurs, sincèrement que le sud. Il y a du harpon à prendre. D'ailleurs pour tous ceux qui sont là et qui aiment le contenu Sea of Thieves, on va mettre un petit SO Max de la Ciotat bien évidemment. Hop, si vous voulez aller lui donner du soutien, lui faire des câlins, des bisous sur le front, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Rendez-vous sur un hein, pour découvrir. Ça c'était une petite pub pour les copains aussi. Tu vois, absolument. Rien du tout ma foi, allez. Ah bah ça coûte pas grand chose, c'est sûr le follow, ouais, bon ouais. Voilà il live pas maintenant mais attendez non, mais non, du coup mais pour plus tard. On va faire ça aussi pour des j'ai follow quelques personnes aussi que t'as mis dans... Oh c'est gentil merci. Bah, c'est j'ai eu des abonnements effectivement comme je stream plus.
Ensuite, on va mettre un petit SO pour Virtus, bien évidemment, pour ceux qui le connaissent pas, mais bon, attends, si on connaît pas Virtus, quand même, c'est dingue. Enfin, parce Bon, je vais faire qu'il ça. passe quand même avec HelloFresh, quoi. Ah, mais... C'est ce que je vais dire. Merci. Ok, et Molotox, bien évidemment, hein, on n'oublie pas. J'allais dire le meilleur pour la fin, mais j'aurais menti, donc bon, je vais rien dire. Voilà. Bon, alors du coup, il faut aller au sud. Au sud-ouest. Ça y est, t'as trouvé, Molo? Ben non, je me suis fait buter. Qui a mis le serpent à côté de la barre, les gars? Qui a pensé que c'était une bonne idée? C'est bien, Et merde. il piège le bateau. Je vais le mettre au bout du bateau. Ok, donc là je suis au bon endroit. Je bute ces squelettes là et je vais trouver le coffre. Attends, bah je vais venir avec mon gros trident Molotox et je vais te défendre. Oui. Oh oui. N'aie pas peur, bad boy, je vais prendre soin de toi avec mon trident. Ok, c'est bon, je me suis défendu tout seul. Et un follow de plus pour tous, merci à toi Elfic. Eh mais putain, mais Elfic aussi, stream, bordel. Mais voilà, en fait, il n'y a que des streamers de qualité ici, bordel. Merci à toi Elfic pour le follow pour tout le monde. Ok, j'ai. Merci infiniment. Et on va aussi le mettre Ah. d'ailleurs pour. On va aussi le mettre à Infiniment. Bubble d'ailleurs. Voilà. Là, bah, heureusement que j'ai quelqu'un qui est censé. Je suis là, je te protège. Excuse-moi, je peux pas te créditer, te protéger. Je serai pas toujours là. Ça c'est. Voilà. Alors ça c'est sûr, parce qu'à un moment Est-il mon là corps il va contre lâcher, moi là, mais. le patafouin là? Au Quentin! Ton nom Yannick. Je crois qu'il a besoin d'un peu de reconnaissance, patafouin. Enfin, je pense que c'est son problème, tu vois. Tu sais, comme on dit, qui va au bout du bateau tombe à l'eau, ouais. Alors ça a aucun rapport, vous allez me dire peut-être? Attends, j'ai vu un colis par terre là tout Ouais, à l'heure. j'ai le calice. Ah, t'as Mais un truc pour le mettre dedans, ok. j'ai le coffre, ouais. Ok, Qu'est-ce je. que j'ai pas été follow elfique peut-être? Merde, comment je fais pour. T'as mis le lien pour elfique ou pas? Attends, je vais chercher. Absolument, c'est le l'avant-dernier. Allez hop. Hop, je le vois pas. Tu ne vois pas le lien? Ouais, Ah putain, faut que j'aille me mettre à couvert d'abord. Attends, mais je te protège, t'inquiète. Je partage mes 9 mois d'abonnement parce que ça me le propose à Qu'est-ce que chaque c'est? fois, ça me casse les couilles. Allez, je suis gaucho. Et oublie pas Hop. que ça va dire le texte si tu le marques, je crois. Ah mais oui, mais non! Et quel dommage, c'est une fois de plus un échec Fais de la part de notre joueur chier! franco-jamaïcaine corse-italienne. Alors attends, du coup. Mais merci à toi en tout cas, Décros, c'est magnifique, c'est 9 mois d'abonnement quand même. Oui, c'est vrai. Ah, en tant que modératrice, j'ai un petit message de Coco à valider ou non. Comme je m'en prends plein la gueule depuis tout à l'heure, Hein? est-ce que je l'accepte ou est-ce que Alors, je le refuse? moi je dirais qu'on ne le valide pas du tout. Mais attends, mais qui veut encore lire les messages de Coco? Attendez, on va faire un vote à main levée. Quelqu'un veut lire ce message, les gars, sur le bateau? Non. Non, bon ben voilà. Bref, Mais c'est qui Coco? c'est Patafouin, c'est un pote à Nécros, si je ne m'abuse. Yes. C'est ça. Enfin, c'est plutôt un pote à Une Mugens que j'ai connaissance. connu via Mugens, voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui était là un jour, on était là. Bon, c'est un triste hasard, mais bon. Non, Non, et c'est qui pas. m'a grave C'est pas qui ça. m'a grave aidé à m'améliorer sur Apex. C'est beau. Mermaid Highway, on va aller Allez, on m'autorise. ouest Bon bah le cadeau de Fafty est retourné. Attends, comment ça moi on me retourne les cadeaux comme ça là? C'est quoi reçu de nécrose? Eh ben c'est. C'est vrai? C'est une vraie question, tu commences? Oui. Mais c'était 9 mois d'abonnement que t'as partagé puisqu'il te le demande depuis tout le temps. Mais pourquoi il y a un plus 5? Plus 5, c'est parce que Virtus a lâché 4 abonnements sur ce live et donc tu es donc le cinquième. Oh putain, Virtus! Ah ouais, Virtus régale, c'est vrai, Oh c'est vrai. la vache! Ah, c'est un beau Un copain. sous-soutien! Ouais. Ah oui, toujours, ouais, c'est important. Oh Je m'appelle pas Georges, mais j'ai du soutien. Soutien Georges, allez, des gros non! tétés, des gros tétés.
Les gougouttes, les gougouttes. Ça y est, il est tard, je craque, putain. Et ça se passe comment pour offrir des sommes? Parce que ça, je connais rien. Alors, soit tu peux faire tout simplement... Il y a un bouton qui dit offrir un sub, je crois. Dans le même truc que s'abonner. Ouais. Soit, et ça, du coup, c'est aléatoire. Soit tu peux carrément aller sur un gonze dans le chat, tu cliques dessus et t'as offrir un sub. Et de ton ordi D'accord. aussi, tu peux faire un truc genre... pareil, ce sera aléatoire, mais tu peux offrir genre 5 subs d'un coup ou des trucs du genre, tu vois. Ok, j'imagine que c'est payant. Évidemment. Oui. Ok. Et je pense pas que tu puisses offrir ton sub Twitch, si je ne m'abuse. Enfin, ton sub Twitch, ton. Avec oui, Amazon Prime, je pense pas que tu. Tu vois ce que je veux dire? Prime, ouais. Ouais, ouais. Ah, j'aurais bien fait, mais là, c'est hoche avec mon chien en ce moment. Ah, mais alors, clairement pas, j'ai jamais d'avis. Hein. Non, t'avais trouvé un quad d'un Seven. Quoi? Un... Oh, mais hein, je suis de retour là, l'air de rien. Je suis là tranquille. Vous m'aviez trouvé un quad dans 7 Days? Oh mon dieu. Et c'est plus cher sur tel que sur PC, absolument. C'est Elfie qui marque un point aussi. Sérieux? Ah oui, c'est un balle de plus, je crois, parce que Google ils prennent leur com. Je crois que c'est 4,99€ sur téléphone et 3,99€ sur PC. Et nous, après, on touche, si je ne m'abuse, 1,90€ ou 1,70€. Mais bon, l'important c'est pas l'oseille, bien évidemment, c'est le soutien, les gars. Ça fait plaisir. Putain, faut le savoir ça, merci, parce que tu vois comment j'aurais fait ça depuis mon téléphone. Ouais, non, mais c'est... Bah, Google prenne toujours leur... Je regarde rarement via le PC, donc du coup, tu vois. Et c'est pareil pour les achats de bits et tout, si je dis pas de conneries. Non. Je pense, est-ce que Elfic, peut-être, tu peux valider cette information que je donne, peut-être? Les achats de bits et tout? Je crois, ouais. Ouais, tout est plus cher sur... C'est ça, hein. Ouais, ils prennent toujours une com, en fait, au final. Je suis pas voir combien de fois, quoi. Eh bien, écoute, si tu check tes comptes, tu peux le savoir. Bah, beaucoup. C'est probable. depuis le Brexit que ça a changé. Vous, hein, ok, les infos, ok. Donc, on a même l'info, c'est depuis le Brexit que tout ça a changé, c'est magnifique. ASMR bouteille d'eau. Allez. ASMR bruit de joue. Je vous l'offre. Vous avez entendu ou pas du coup l'ASMR bouteille d'eau? Pas du tout. Non, hein. Non. Mais... C'est ce que je te dis, c'est... Est-ce que du coup c'était de l'OSMR? Ouais. Du coup on va finir sur l'île là? Ouais, là on va sur l'île où on a la clé et on va ouvrir la cage d'or là. C'est quoi, c'est ce que t'as entouré Molotox? On va... Ouais, ah bah c'est la même que toujours, quoi. Ah, j'ai pas lu le texte dessus. Ouais, ça doit être le serpent encore, je pense, ou l'arche mes couilles. Le serpent glisseur, bah ouais, c'est toujours la même. En fait. C'est toujours la même, ça fait 3 caches d'or qu'on fait, c'est 3 fois la même. Alors à un moment, on va pas appeler ça des caches d'or, on va appeler ça des réserves au pire. Le seum est en neck. Oh, regarde là, elle est sur son tabouret au bout du bateau. Mais qu'est-ce que t'as contre moi là, Coco? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, c'est le besoin de reconnaissance, ouais, tu vois. Et vu qu'il voit qu'on est vraiment des hommes virils, il se dit, bon, je vais pas m'en prendre à eux, autant s'en prendre à Nek, qui a l'air d'être une petite chose fragile, tu vois. Raté. Personne qui s'envole. Personne ne veut même pas me raid. Non, c'est bâtard, attends, j'arrive. Il a hésité de me faire péter. Ah, non. Oh non, il est parti. Il va me bouffer. Ah bah oui, bah décrose. Mais oui, mais... Bah oui, mais... Ça c'est parce que j'étais devant le pompon et que voilà. Voilà. Bande de saloperie. Qui va au bout du... Mais nique ta mère, le serpent de tes os, là. Il m'a craché dessus de gay loin, putain. C'est voilà. Du bitouf. Ah ouais, mais je comprends pourquoi mes ex a gueulé. Et on se retrouve sur le live bof, bien évidemment, vous avez pas oublié, c'est toujours le même live. Et la dernière fois j'étais au bord, il voulait un petit peu qu'il pète, allez. Allez, prends West Tout. Oui, ça marche, Kenny. Kenny West Tout. Kenny West Tout, absolument. Yeah. Un crabe, yeah. D'ailleurs, j'avais quelques. Non, ouais. Je suis extrêmement déçu. C'est du teasing, une fois de plus.
T'avais quelques paires de chaussures que tu t'es débarrassé? Non, non, j'ai pas mal de rébutés avec. Bien sûr. Avec Ye de Kanye West. No. Donc c'est une information absolument pas. C'est très important, si, si, moi ça m'intéresse. Vraiment, alors ça ne changera pas ma vie, mais ça m'intéresse. Bon, bah voilà, on est à l'ouest. Hein. C'est l'histoire de ma vie. Putain, mais comme il est beau quand il tourne putain, les voiles. Mais pourquoi j'ai fait tout ça là-bas? Après. Vraiment, l'avant de la vie. Je n'arrive plus à parler, voilà. Et on n'oublie pas le rendez-vous le 14. Chez l'orthophoniste, bien sûr, à 14h30. Je crois que Max de la Ciota aussi veut le soup. Bah rien, là je dis juste que tu as le seum de passer sur ton tel et je connais pas encore assez les autres. Oh, tu sais, nous on est des hommes assez ouverts, hein. On se tire au harpon, on a dragué des fantômes qui étaient morts depuis peut-être 50 ans. On est un peu taquin dans l'idée, on aime bien rire. Ouais. Voilà, on aime bien. La taquinerie n'est jamais finie. Exactement, on est moqueur, mais on n'est pas méchant. Et qui aime bien, taquine bien. Taquinerie n'est jamais finie. C'était ça que tu voulais faire, voler, on est d'accord, j'ai reconnu. Hein. J'en étais sûr. Putain de merde. Taquinerie n'est jamais finie. Et du coup, Max, en fait, le scoop, c'était juste que Necroz a des rébus à nous envoyer avec Kanye West dedans. Et du coup, je sais pas si t'as vu sur le serveur, il y a un salon qui s'appelle les rébus de qualité. Et c'est là où tous les esprits malades se retrouvent pour faire des collages d'images dans le but de faire rire leurs amis. C'est-à-dire en gros Necroz, Molo et moi pour l'instant. Et Bud, non, un peu. Bud, il réfléchit aux rébus plus qu'il n'en fait. Oui, j'ai vu, ok, nickel. Vraiment, tu fais ça avec Snapchat ou avec Pixelers? Yes. Tu peux laisser libre cours à ton imagination, bien sûr. Le lamentable de Molo. Je vous laisse, mon bon Fufty. Bonne piraterie. Asie à Kenaton. Parce que j'ai pas reconnu à la tête. T'as mis le kimono. J'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Allez, Elfique qui prend un abonnement. Putain, mais c'est magnifique. Merci à toi, Elfique. Putain, mais c'est magnifique. Merci à tous. Et à Kenaton, on te fait des gros bisous. Et demain sur le bateau, t'as ta place, ça, soit. On pourra te montrer ce que c'est les crabiers, putain, mais ouais, mais c'est génial, merci, bordel, beaucoup trop de soutien, c'est. J'ai envie de vous faire des poutous comme ça là. Je peux dire que c'est mérité. Oh, écoute, alors c'est très gentil, point de compliment, après je vais rougir tel un béret, je vais être obligé de faire semblant de ne pas avoir d'émotion. Ça, c'est ton problème, écoute. Je crois qu'on arrive sur une toute petite île. Ouais, mais c'est pas ça. Oui, mais. On va passer à droite. Ah non, sans charge d'énigme là, putain. Allez, ah, les 10 bits, putain, mais c'est magnifique, merci Elfic. Moi je dis merci avec toi à chaque fois, merci. C'est beau, bordel, voilà. Largement mérité, mais merci les gars, bordel, putain. J'ai envie de vous câliner là. Je vais vous montrer ma chatte pour fêter ça, putain, viens ici, Foline. C'est con, putain. Oh, il me fatigue. Je suis allé la chercher tout carrément. Elle m'a regardé. Tu sais, elle a senti qu'il y avait une connerie, elle s'est barrée direct. Ah, Féline, ah oui. Non, mais parce que j'ai vu que, je sais pas, il y a pas mal de femmes. Le train de la hype approche. C'est quoi? J'en ai aucune idée, qu'est-ce que c'est? Le train de la hype? Ouais. Qu'est-ce qu'un train de la hype? Le train de la hype démarre lorsqu'une ou plusieurs personnes s'abonnent, utilisent des bits ou offrent des abonnements à la communauté. Une fois que le train de la hype est lancé, la communauté remplit la jauge de hype en continuant à s'abonner et à offrir des bits et des abonnements. Toutes les personnes qui participent recevront une émoticône unique en fonction du niveau le plus élevé atteint. Et oui, car sur le live de FFT, on apprend en. Allez, j'ai putain! J'ai tellement envie de participer, putain! Et merde, et du coup je vois plus mon chat. Ok, c'est bon. Putain, mais merci, bébé, une fois de plus. Vas-y, je vais voir si je peux pas mettre un. Et en fait, le train de la hype, normalement, ça met ton stream en avant sur Twitch. Ok, putain, mais c'est génial, bordel. Putain, mais vraiment, merde. Tu débloques des
des émoticônes uniques. Absolument. C'est cela. Putain, comme si joué. C'est... Putain, si joué, ça fait beaucoup quand même. Non, après, on va être défoncé. Ok, envoyez. 2 balles minimum sur téléphone pour acheter des billes. Et surtout que 2 balles. Ouais, non, 2 minutes, hein. En n'oubliant pas, bien évidemment, que tu te fais baiser, Nécrose. Hein. Bah ouais, c'est pour ça. Non, non. Non, mais là, je peux pas en plus. Mais alors, absolument pas. Chacun fait comme il peut. C'est... Déjà, non, vous régalez tous, aimer, les gars. Pour le... Juste le train de live, quoi. Tu vois. C'est ça le problème. Il y a trop d'enfants. T'es... Non, toi, je m'en branle, mais vraiment, il y a le train de live quand même. Il y a des émotes, quoi. Mais... Est-ce qu'il y a la queue du Mickey? Est-ce qu'il y a la queue du 50? Ah, eh bien, écoutez. C'est parti, après avoir vu ma chatte, vous allez voir. Non, bon. Débordant de richesse, vous n'aurez qu'à vous pencher pour que Disette cesse. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, oui, d'accord. En hauteur, la lanterne est brandie par les crédules. Ceux qui sont en quête de pécule. Putain, Akhenaton, il va être dégoûté quand je vais lui dire que t'as lu des histoires tard le soir alors qu'il était plus là. Ah, bah, écoute, en bas, oui. J'avais raconté Molotax, ce qu'il m'avait dit à Akhenaton. Non. Il m'avait dit, tu sais, il était passé sur un live et tout, et il me dit, Nécrose, elle a une voix à lire des livres tard le soir. Voyage au bout de Nécrose. Laissez-moi. C'est beau, bordel, putain, j'ai envie de chialer. Est-ce que je les prends ces 2 balles ou pas, là? Et du coup, on pourrait même plus faire la blague du fufty, y'a que le train qui lui est pas passé dessus, parce que maintenant, c'est fait. Je vais aller voir ma daronne, je vais la réveiller, il est pas trop tard. Maman, c'est le train de la hype. La pauvre, elle serait même pas choquée, je pense. Après, si t'as des bits, ça marche, hein, mec. Maintenant, j'en ai plus. Sortez tous vos bits. Oh, pardon, bits. J'avais justement tout lâché. J'avais tout lâché avec mes bits sur. Les gros, j'avais ses bits partout. Je rentre tes lives. Toi aussi, t'as une queue multifonction. Waouh. Alors, disons que... Je sais même pas quoi répondre à ça. Là, j'ai un peu... Ça va partir beaucoup trop loin, après. Moi, j'aime naviguer sur les mers. Je pense que je peux résumer à ça comme ça. Les mères, les sœurs, les cousines. Ok, et donc là qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est vrai. Mais va sur la droite du coup, Molo. Attends, relevons les voiles. Oui. Ah putain, j'ai un trident dans la main. Allez, mais quelles sont ces bananes de qualité? Ah non, c'est des Simpsons. Putain, je suis abruti. Mec, il voit un truc jaune, c'est une taupe. C'est une banane. Okay. Ça, je relève. Le oiseau est toujours plus vert. Dans le maouid à côté. Et ouais, tu vois, tu longes l'île et c'est au niveau de là-bas, si je ne m'abuse, je reconnais. Ouais, c'est ça, c'est un gros rocher. Attends, mais j'ai pas cette... Non, alors parce que ça, c'est des infos que tu peux... Allez, mais si, merde, putain, Coco... Virtus, une fois de plus, le 5e abonnement, c'est magnifique. Mais putain, mais Virtus, tu... Bon, par contre, le truc qui est un peu... Je saurais même pas comment dire merci, à force. Le truc un peu dommage, c'est qu'il a offert à Coco Ace, quoi, mais bon... Ah, j'avoue. Est-ce qu'on peut en mettre un petit coup de voile avant, s'il vous plaît? C'est parti. Cool. Voilà. Du coup, moi, en quête, je n'ai que le truc à énigme, est-ce que c'est normal? Alors, c'est tout à fait oui, normal. C'est normal, parce qu'en fait, là, on a trouvé la clé du totem dans le dernier la dernière île qu'on a visitée, là. Et on va jouer bon camarade. Et sur cette clé du totem est inscrit le nom de l'île. Faut trouver l'île, s'il vous plaît. Mermaid Highways. C'est marqué que c'est à Mermaid Highways sur le totem qu'on a déterré juste avant. Putain de totem. Et où mon bon camarade, il est là. Ah ouais. Il y a l'inscription, d'accord. Le serpent glisse dans le sable sous la grande arche de l'île. Ah oui, dites-le. Il va se glisser. Toi aussi, tu m'en as déjà payé un. Ah ouais, bon. Oh, tu sais, moi je me rappelle pas. La clé de mermaid machin ou pas? Absolument. Il faut la prendre avec nous. Vas-y, Zarama. Je crois qu'il manque une corde sur ton banjo, Virtus.
Je crois, je sais pas. Je sais pas. Ah non, mais c'est un ukulele déjà. Et ouais, effectivement, il ne comporte que 3 cordes. Allez, t'as pris la clé, Necroz? Ouais. Allez, viens. Allez, c'est parti, tous à la cage d'or. La clé, okay. C'est bien ça, là, on est d'accord, hein, tout ouais, ouais, c'est ça. De toute façon, ça. Oui, j'ai appuyé sur ton clé, donc ça ne fait que ça. Qu'est-ce que je voulais dire, donc, comme d'habitude, Feuf, tu montes. Bien sûr. T'essayes de me balancer les trois cercles dès que tu les vois. Bien sûr. Et en gros, moi, Virtus, ouais, là, en gros, je vais faire tomber gavet de coffres, et toi, tu devras prendre les coffres avec Necroz et les sortir derrière la porte. Tu vas voir, on va te montrer de quelle porte on parle. Et en gros ton but c'est juste de les mettre devant la porte, le temps que la porte est ouverte. Et après en gros dès que la porte commence à se fermer et qu'on va se noyer, il faut ramasser les pièces d'or. Et après on ramène tout sur le bateau du coup. On va mourir, c'est tout à fait normal. Regarde Necroz. La clé là, mais faut... qui c'est qui a pris le... Là. Ah. Ouais. Alors ouais. Et tu le poses là. D'accord. Et là ça ouvre ceci. Renommée augmentée, oui. Mais merci pour ces explications. Ok, c'est parti. Du coup, je serai moins du père les prochaines fois. Quoi. Et ouais. De toute façon, si on en refait une, ce sera très certainement encore celle-là. Donc, limite, on te fera tout faire, carrément. Et donc là, tu vois, Virtus, ouais, cette porte-là, elle va s'ouvrir. Donc toi, en gros, tu vas attendre en bas, tu vas récupérer les trésors que moi, je vais te lancer avec Necroz. Vous allez les ramener ici, vous allez les lancer là. Et voilà. Juste ça, votre moi, but je en gros. Avec Virtus, hein, c'est ça. Absolument, okay. C'est ça. Vous êtes l'équipe de sortage okay. De coffre. Et on vous. Ramasse pas l'or, surtout. Pas encore, non. Ça, c'est à la fin qu'on fait ça. Là, pour l'instant, faut focaliser les... sur. Ceux qui sont là, là, on peut déjà les prendre, coffre. Absolument. Machin. Molotox, j'ai un médaillon. Faut juste pas prendre les médaillons. Juste pas prendre les médaillons. Absolument. Si tu vois ouais, un médaillon, tu le sors pas. C'est Molotox qui gère ça. C'est une espèce de pièce, une grosse pièce. Ça, tu prends pas. C'est... Excuse-moi, Molotox, tu vas vraiment d'expliquer à Necroz ce qu'est un médaillon. Bah ouais, mais c'est pas... ça peut... Peut-être que ça peut être différent... je sais pas... Est-ce que t'en as trouvé d'autres ou pas? Oui, j'en ai un. Là, okay, je te le jette, là, je suis derrière toi. L'autre devant. Ouais. Voilà. Est-ce que t'aurais pas besoin d'aide en haut? Alors, si t'arrives à monter, tu peux, mais au final, il vaut mieux que... Je sais pas trop, en fait. Et tu peux le tenter. Molotox, c'est toi en haut et Virtus, c'est moi en bas. Attends, ouais, mais Molotox il fait l'énigme. L'énigme, mais il me faut le troisième truc là. L'énigme. Mais putain. Est-ce qu'il y a un autre médaillon quelque part? Il faut la lire l'énigme. Je l'ai. Pas ok, nickel. Désolé, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Ok. Putain de vomir. Ok, donc. Tête de mort, ça c'est bon. Tête de mort. Mais vas-y. Ça c'est ça c'est bon. Okay. Il y a juste un endroit où je peux pas aller là où il y a un coffre. Et donc là il faut que j'aille par où du coup? Là c'est bon. Peut-être par là-bas. Ok. À quel endroit il y a des coffres? Il y a un coffre ici là. Ah c'est bon. Ok. Bah parfait. Bah là du coup on a récupéré tous les coffres. Non là il y en a un avec un corps lisse. J'ai mon casque qui se fait la malle là. Il y en a deux au fond là. Yeah. Ah putain, mais c'est. Qu'est-ce qu'on peut dire en partouze aussi, et dans une cage d'or? Il y en a deux au fond là. Qu'est-ce qu'on fait là? On récupère l'or? Ouais, là il y a encore quelques coffres, mais tu récupères tout l'or que tu peux. Il y a un bibelot diapré aussi là, juste devant moi. Ok, nous voilà bien. Là il y a un réceptacle ouvragé. Là on a été extrêmement bon sur cette cage d'or. Y'a un colis. Oh le colis. Relique dorée. Et y'a un haut fait si on prend tout. Ok. C'était quoi que je devais pas prendre déjà? Et là tu peux tout prendre, ça y est. Let's go. Mais moi je trouve que ça rapproche la piraterie, hein, entre Virtus qui nous tire au harpon et nous qui disons tu peux tout prendre à Necroz. Je trouve qu'il y a plus vraiment de limite entre nous. Vraiment. Ok, il y a quasiment plus d'or tout en bas. Putain, c'est beau ce qu'on fait là, les gars, vraiment. La porte est pas fermée, non? Ouais, c'est normal. Et là, tu vois, il y a de l'eau qui va monter et ben, ramasse de l'or jusqu'à ce que tu te noies, en gros. Ah merde, putain, il y avait des calices là. Je suis désolé. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous l'ai dit. Eh, je suis morte. Déjà?
Mais putain! Qu'est-ce qui t'est arrivé, négro? Je me suis retrouvé bloqué en fait sous une étagère. Sous une étagère, sous un. T'as compris quoi? C'est extrêmement drôle. Qu'est-ce que c'est ça? Merde, putain. Ah, je commence à mourir. Ouais, ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal. Tu vas totalement crever, t'inquiète. Ah, il faut mourir? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, d'accord. C'est le cycle de la vie, Virtus, tu sais. C'est pas faux. Et là, en gros, bah, on va revenir à l'endroit où vous avez posé les coffres et on va se faire une chaîne humaine pour tout mettre sur le bateau. Et du coup, le fait que je sois parti avant, ça va changer quelque chose? Pas du tout, mis à part que t'auras pas ramassé d'or, mais... Enfin, là, tu peux déjà aller chercher les coffres, si tu veux, du coup. Commencer à faire la chaîne humaine toute seule. Ok. C'est beau ce que tu fais, putain, Virtus, ça adapte vraiment à toutes les situations. Toujours joyeux celui-là. C'est ça, c'est vraiment. Ça, c'est vrai. Oh merde, je me suis peut-être catapulté un poil trop long. Tu t'es catapulté. C'est quand tu fais des catapultes au catéchisme. Je me suis catapulté. Tu fais du catépisme. Du catépisme. Mais ça m'a permis de trouver un coffre. J'adore le catéphiste. Ouh. Ok, donc vas-y, bah du coup, je vais prendre cette partie de la chaîne au pire. Par contre, je vais pas remonter jusque là à chaque fois, hein, je vous le dirai. T'es remonté jusqu'à où là? Jusqu'au rocher, jusque là où il y a le calice. Le keg? Calice. Le calice? Je vois pas le calice. Ici là, devant le rocher. Ah, ah voilà. Ok. Vas-y, mais moi je prends l'autre moitié de ton chemin au pire. Ouais, un crabier. Un quoi? Je sais pas ce que c'est vraiment. Aucune idée. Là, y a un gros crabe par contre, je m'occupe de lui. Quoi? Allez, ça y est. Les cerveaux commencent à lâcher, mais c'est toujours dès qu'on a fait la cage d'or, dès qu'on a fini. C'est vrai, c'est les nerfs se détendent. Les nerfs sont tendus. Nerfs sont détendus. Tu n'es pas qualifié pour parler de mon profond. Une robe bleue, vraiment. C'était extrêmement rapide, je trouve, aujourd'hui là. C'est-à-dire? Bah, c'est extrêmement rapide. On parle de quoi? Ouais, non, parce que j'ai souvent entendu ça et moi j'ai toujours dit ça va, hein, c'est l'intention qui compte. Je suis dans la moyenne. Ah, tu dis pas, c'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive? Ah non, vraiment. Non? Ah non, non. C'est vraiment la phrase. Je comprends pas ce qui s'est passé. Moi, je crois que ça me fait ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors? Ouais. Heureuse? Deux minutes et je m'endors, attends. Ouais. Non, du coup, je voulais dire le temps de la session a été très court. Voilà. C'est vrai. Mais si on regarde en tout, avec. Enfin, là, moi, ça fait 6 heures que je stream, du coup. C'est pour ça que j'avoue, je suis un peu fatigué. Ouais, non, je comprends. Et en plus, moi je me vois un peu comme un homme préhistorique. Je reviens sur ce qu'on disait avant. À l'époque, il fallait ken vite pour pas se faire bouffer. Hein. Alors, c'est... moi je suis là pour faire perdurer. Je suis là pour faire perdurer l'espèce. Hein. Moi je m'inquiète des T-Rex. Hein. Ouais, toi c'est 4 minutes plein comprise quoi. Ah oui, oui, et encore, mais même il y a aussi le verre au bar. Hein. Si tu prends 4 minutes, attends, ouais. J'ai le temps de faire connaissance et tout carrément. Tu me laisses 8 minutes, je fonde une famille. Qui est pirate légende dans votre groupe? C'est Molotox qui est pirate légende dans notre groupe. Ouais. Je sais pas trop comment encore, hein, mais. C'est, bah, ça fait longtemps que tu joues. Ouais. Spécialiste. Exactement. C'est vraiment un spécialiste de qualité. Pardon? Quoi? Excusez-moi. C'est quoi, ça déjà? Allô? Oui. Oh là là, allez, tout va bien. C'est vraiment pas facile.
On a bientôt fini. On a ouais, bientôt ouais, fini. Tout va bien. Dernière ligne droite. Pardon. Ça fait longtemps que la clope est finie? Quoi? Pardon. Hein? Wow, je sais pas, c'est Coco, il a mis ça fait longtemps que la clope est finie. Allez, tout va bien. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être quand on disait en 4 minutes, t'as le temps de la clope. Ah oui, ok, ça fait longtemps que la clope est finie, ok. Ah, le... ok. Oh. Oh. Il va pas s'en remettre. C'est la fatigue, ça va. À partir d'une certaine heure, c'est toléré. Évidemment, mais normalement, à partir de minuit, c'est ça passe. C'est toujours toléré, même. Molotox, le silencieux. Ah, Molotox est discret ce soir. Je pense, hein. Bah ouais, c'est pas facile, les gars. Ah, quand même, on a eu une soirée éprouvante, hein. On a chassé des fantômes dans une prison. On est allé dans un asile, dans une chapelle chelou. On s'est fait bouffer dans un couloir, on avait fait un tas de cadavres. Là, on part sur du Sea of Thieves, on rencontre un mec, on fonde tous nos espoirs en lui pour qu'au bout d'une heure, il se déconnecte, ce fils de pute. Ah, ce fils de pute. Ah, c'est peut-être pour ça que ça a paru court aussi. Peut-être, c'est vrai, parce qu'au final, on a fait qu'une mission en bas de... Mais on a dit qu'on a commencé à quelle heure, je crois. Minuit, on a commencé Sea of Thieves, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Donc c'est vrai que ouais, on a perdu une heure à cause de lui, quoi, la moitié de notre session. Minuit, quart, minuit 20, peut-être. Merci de la précision. Attends, je vais tout donner. Ah non, je me suis tué. Non, je me suis tué, là. Ah ouais. Ok, il manque plus qu'une relique en base, c'est cool. Et l'épée, c'est comme l'amour. Si tu dois te forcer, c'est souvent de la merde. Et oui, c'est le Dave Beauf, vous l'avez oublié. Non, je fais même plus attention aux fantômes. Pas le fantôme. Oh, j'ai plus de respect pour eux, toi. Et viens ici. Moi, je comme t'es là. Moi, je comme t'es. Ça, c'est un nom à donner à un animal, vraiment. Grave. Prochain animal que j'ai, je l'appelle Mange comme. Je jure. Ou sinon, t'appelles ton fils comme t'es, tu sais. Putain, t'es moche comme t'es, toi. Oh non, je me suis fait tuer. Oh la loose. Hein. 4 minutes attends, pour Ken. Attends. Oh putain, je te remercie. T'es vraiment une super camarade, quoi. Contrairement à cet anglais de fils de pute, bâtard. L'épée, c'est comme les enfants, on supporte que les siens et encore. Oh non, non, moi vraiment. Nous dis-toi carrément. Bon, allez, vas-y, ça va partir en souvenir d'enfance. En gros, j'ai le père de mon meilleur pote. Père de mon meilleur pote qui est musicien, donc il a un studio de musique, bien évidemment. Il joue dans des groupes de rock, par exemple Les Sourdingues, que vous pouvez retrouver sur YouTube, bien sûr, qui fait des initiales, ça fait LSD, c'est extrêmement drôle. C'est un punk, bien évidemment. Et du coup, aucun rapport, mais dans son studio, il y avait un micro, du coup, avec des grosses enceintes. Et un jour, on a découvert qu'on avait un pote qui savait se forcer à péter. Donc, micro avec grosses enceintes, plus pote qui s'est pété. On a passé des après à mentir dans le studio à l'écouter péter. Et nous on était là mort de rire à fumer bien évidemment de longues cigarettes qui ressemblaient étrangement à quelque chose d'autre. Et c'était sympa non, comme tout vraiment. T'es calme, mets par là Virtus. Là on a tout je crois. Ouais on a plus que... vas-y je vais remonter les autres trésors comme ça au moins on se fait pas chier, on va pas les descendre. Ouais. Pip, pip, pip. Pip et jambes de bois. Pip et jambes de bois. Pauvre bonnette de Mike, ouais, clairement. Clairement. Je pense qu'il y a 2-3 fois où son père il a fait des concerts et il s'est dit attends, j'étais trop bourré au concert d'avant, je sais pas où il a fini le micro, mais. Nord-Est. Vraiment, c'était génial. Nord-Est, c'est parti. Ses collègues ils ont dû dire putain c'est bizarre après le concert t'as une haleine qui pue la merde. Ah ouais. j'ai pas envie de chanter ce soir désolé. Mais c'est ça ouais, il a deux groupes d'ailleurs ouais, c'est les Sourdingues et les Monkey Rabbit.
Et le deuxième, c'est les Monkey Rabbit, c'est un espèce de lapin singe, du coup chelou. Monkey Style. Monkey Style, excuse-moi. Tu connais 50 Cent? Ouais, Monkey Style. Non. Tu l'écris comment déjà Monkey Style? Bah, je l'écris 50 Cent en fait. Comme le chanteur avec un F. Ouais, Monkey Style. Ouais, le pauvre. Ouais, il devait pas être dans son état normal aussi, je le pardonne. Surtout que lui, en plus, à chaque fois je le recroise, je lui dis, mais si, rappelle-toi et tout. Y'a gavé toi ou tout, je suis venu, je t'ai filé de la graille et tout, tu sais. Il est là en mode, ah non. Et il me dit, ah si, je me rappelle. Et là, je me dis, je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire, tu t'appelles Balou. Et il me dit, c'est toi Balou, t'avais des dreads avant et tout. Et je lui dis, ouais, ouais, c'est ça, vas-y, garde comme ça. Ouais. C'est pas grave. Tant que ça te fait sourire de me voir, vas-y, appelle-moi Balou, frère. Et moi je me rappelle de son nom et même du nom de sa chienne carrément. Il s'appelle Roland et sa chienne elle s'appelle Nikita. Et pareil, je lui ai acheté des. Je lui ai acheté elle des a le regard qui tue. Oui, cheveux longs comme Chiquita. Et ouais. Oh, c'était un animal? Ah non, c'était un fait d'art. Ah, c'était. Oh, waouh. Ouh. Hihi. Ça parle en onomatopée. J'ai réussi à le dire, tu vois. Du premier oh coup! Oh la vache! Ah ouais, allez! Contre, oh, j'oublie pas, je le. Non, non, mais. Si, non, mais. Non, mais. Elle se la pète, écoute, je vais aller chercher le truc direct, on va le mettre en live. Hein. Elle se la pète! Non, non! Attendez, bougez pas, je vais fermer le live pour pouvoir mettre le son de mon portable, du coup. Est-ce que vous êtes tous prêts, les gars? On est prêts. Alors. C'est pas sympa! Attends, il faut que je remonte tous les messages que Fuffman a pu lui envoyer hier aussi. Je suis vraiment désolé pour ça une fois de plus. Ça veut vraiment que alors... sur le live là. Attends, est-ce que c'est bien celle-là? Non, non, t'as pas du tout coupé le son sur le live. Hein. Moi j'entends rien par contre. Attendez, parce que je trouve le moment exact quand même. Et non, j'ai pas coupé le son du live, évidemment. Mais non, t'as pas. Attends. Si, je vais le couper. Je vais le couper juste pour les copains. Je vais. Attends, mais comment je vais couper le son du live? Ils veulent entendre, mais. Droite toute. C'est à droite toute là. Là, on t'entend? Non, on t'entend. Oui, bah oui. La honte. ça veut pas. On était bourré, enfin non pardon, on était légèrement alcoolisé et c'était très drôle. Méché quoi. Les voiles s'il vous plaît. Un peu joyeux. Bah vraiment léger. Je est-ce pense qu'il faut les remonter. Oui. Bien chef. Ok. Oui. Celle du milieu aussi. Mais, oh. Ah oui d'accord, ok pardon. Celle du milieu aussi. Y'a des trucs qui brillent là. Et du coup là c'est la fin là. Qu'est-ce que c'est qui brille là? Là c'est la fin absolument. Pauvre nécro. J'ai grave envie de chialer parce que moi c'est le début de ma journée là. Ah. Je suis levé à 21h. C'est génial. T'as dormi avec tes conneries. Moi je suis pour rien, moi j'ai rien fait. J'ai laissé le pilote automatique et Fuffman qui a fait. Qu'est-ce que tu fous? T'inquiète, j'ai une Necrose Girl aussi. C'est beau. Necrose. Qu'est-ce que tu fous, Virtus? Ouais, même plusieurs. Bah, je nous rapproche. Ah non, là tu nous éloignes, si je peux me permettre. Bah non. Bah non, c'est à gauche. Mais on. Oui, on va pas. Mais on va pas au baron. Oh, il connaît mieux que vous, c'est non, non, mais non, non, mais les gars, on va au baron. Oh, mais putain, je cherche. J'étais à la mauvaise tour. Voilà, ouais, on est d'accord, hein. Merci le spécialiste, hein, de ton soutien de qualité, hein, mais. Bon, mais c'est pas grave, on va faire un petit tour. Ouais. En fait, c'est derrière nous qu'on va, Virtus, genre vers là où je tire là-bas. Là. Ouais, qu'on... mais moi j'y suis pour rien. Pour rien que le capitaine. toi, tu y es clairement pour rien, ouais. Comment ils étaient douanes. Moi je tire. Non, 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 mais du coup, tu peux arrêter de harponner vraiment. Hein. C'est pour faire un demi-tour, là. Mais oui, mais non.
Regarde, attends, mais. Ah ouais? Mais sinon, tourne ton truc, on fait un move de qualité, on est 4 sur le bateau, Molo. Non, mais attends, regarde, on est pile poil à la moitié. Mais pas du tout, frère, il faut qu'on se tape tout le tour de l'île, c'est la tour qu'on vient de passer. Ah oui, c'est là-bas. C'est de regarde, côté. Elle est de l'autre côté de l'île, complètement. Mais frère. Et merde. C'est même beaucoup plus su. Mais oui, mais putain, mais bordel, mais Molotox. C'est même au Reaper Zidoute qu'il faut qu'on aille vendre, vu qu'on est Reaper. Merci Max de la Ciota, putain. C'est qui la légende? C'est une vraie légende. Ah, c'est... Vraiment, le spécialiste, c'est genre. Allez, j'avais complètement zappé qu'on était Reaper. Direction sud-est. Sud-est. Et du coup, je peux refaire le jingle. Les conseils de qualité de Max de la Ciota. Il y a un truc à harponner là dans l'eau. On te remercie, mec, du coup, hein, parce que. Attends, c'est où? Ah ouais. Heureusement qu'il y a Max de la Ciota en vrai. Vas-y, moi je vais choper celui de la droite. Après, ah. on aurait quand même pu vendre ici et tout. On aurait juste gagné un peu moins. On aurait même gagné beaucoup moins, je crois. Non. On aurait gagné moins de réputation. Ok. Spécialiste de quoi, faut aller Reaper. Là, le regard qui touche. Keta. Je fais là comme elle a Nikita. En fait, on fait ça pour Necros pour pas qu'elle se sente seule trop vite. Okay, on sent que ça l'attriste. Sud-est. De quoi que vous faites pour pas qu'il me sente trop vite? Des détours, on fait semblant de se tromper, tu vois. Mais franchement, ça marche. Sud-ouest, t'es un peu à droite. Ouais, même est, si tu veux. Genre. Est. Sud-est. Sud-est, ouais. Alors, okay. Coco Boulet, ça prend un S. Donc, c'est à gauche. Je suis plié en deux. Les trucs à reponner à droite, je suis al. Ok, je l'ai. Vas-y. Je l'ai pas du tout. Ok, je l'ai pas. Allez, ok, je l'ai toujours pas. Nickel, je suis nu à chier. Oh bah. On va Reaper Zidoute. On va Reaper Zidoute pour vendre. Je crois qu'il y a un petit bateau là. Oups, c'est mon bébé. Je sais pas si c'est un pirate ou un squelette. Ah. Mais c'est chiant ça. Tu veux des gâteaux, mais maman va donner après. Je vais te donner après. Oui, mon gâteau. Après. Les gâtés chez lui, c'est des biscuits. Bien sûr. Ah oui, mon gâté. Oui, oui, mon gâté. Dans le 4-4, tant pis. Waouh. C'est par là, banal. Et là, je vous fais un. Café ou carnaval. Oh putain, d'ailleurs, j'ai reçu une photo de mon père qui disait. Enfin, j'ai reçu une photo de mon père que j'ai pas regardé. Et après, le message disait on s'entraîne pour le carnaval. J'ai extrêmement peur de ce que je vais voir. Je vais vous le montrer même. Parce que mon père est un génie, on va pas se mentir. Oh, ah bah putain, mais merde. Vraiment, des fois, je. Oh là là, mais il s'est fait limite la boule à cette. Mais merde. Il fait trop rire, il se retrouve toujours dans des trucs improbables comme ça, mon bouille, tu sais, genre. Frère. C'est, tout va bien, c'est... Le père Feyast. Ah, je vois pas. Ah oui, non, on voit très mal. Ouais. Putain de merde. Bon bah je... Sur le stream ou... ou sur Discord? Je vais l'envoyer sur Discord du coup. Okay. Enregistré. Il a une vieille guitare gonflable, mais qu'est-ce qu'il veut? Avant c'était des poupées... Non, pardon, j'ai rien dit. Ah oui, c'est un sacré PAO. C'est le PA fondateur. Le PA forateur. Je vais mettre ça dans mes screenshots, bien évidemment. Putain, je viens de revoir la photo que je vous ai envoyée hier aussi, mais quel bordel. La tête. Le mec est beaucoup trop joyeux, tu sais. Merde, il est où screenshot sur le... Ça doit être dans le général, je pense. En ce moment, sur Epic, en jeu gratuit, nous avons Punch. Punch ? Et à venir, The Silent Age. T-U-N-C-H-E. Tech. Punch. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu, Tekros ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus avec une voix suave qui est tard le soir ? Alors écoute, je n'en ai absolument aucune idée.
Je sais juste que ce jeu est absolument gratuit, disponible sur Epic. Les voiles, s'il vous plaît. Bien sûr. Marc, ah. Marc Balavoile. C'est Daniel en plus, Balavoile. Faut les relever ? Mais Marc, oui. Lavoile. Marc Lavoile, bien sûr. Il faut les relever, absolument. Alright. Oh, attends, laisse le devant. Ah, et Molotox, tu as pris une claque d'ailleurs de Coco Ace tout à l'heure. Oh cool. Il a marqué le pseudo pirate légende ce bâtard. Attends, on peut vraiment mettre des claques sur ton stream. Bien sûr, et tu peux même dire à qui tu veux la mettre. C'est un petit truc que j'ai rajouté, bien évidemment. Comment tu fais ça là? Tu vas dans les points de chaîne, tu sélectionnes claque, et ensuite tu écris le nom de tu vois, par exemple, là, imaginons que je vais claquer Molotox au hasard. ou non, regarde. Je vais faire mieux que ça. Oh merde, et... merde. J'avais zappé, mais je tiens à dire que c'est la Sylvie de Molotox, hein. Je ne me serais pas permis des grosses... De quoi, pardon? Parce que j'ai mis une claque dans les fesses de Sylvie, et c'est ce que je disais, c'est celle de Molotox, hein. J'ai réagi en l'envoyant. Tu peux tout te permettre, je te le dis. Ah bon? Il y a vraiment zéro problème. Oh là, ce que t'as pas fait. Là, tu donnes la possibilité à l'esprit de poser des questions. c'était pas des blagues quand on disait rongeur tout à l'heure. Hein? Je suis un peu un hamster qui court dans des roues dans vos cerveaux. Je pense que ça va légèrement frotter. Ah, je vais à la cala. Oh. Undercover. Non, ça va pas frotter. Non, ça va pas frotter. Tu veux que je remonte la voile de derrière? Ouais, s'il te plaît. Stéphane. Ok, c'est quoi ça là-bas? C'est vrai que tu clips ça, que j'envoie ça à mon cousin. Ça, je, fais. Je crois que... Mais Stéphane, je crois qu'il est dans le dernier bêtisier que j'avais mis. Hein. Ah ouais? Je crois. Les pires pirates numéro 1. T'as Virtus, tu vas me faire chialer, bordel, c'est beau ce que tu fais. Ah merde, c'est là-bas le Reaper Zidou, putain, je suis trop con. J'ai remis un petit coup de voile à l'arrière. Voilà là. Oui. Ah, quelqu'un a déjà pris le tambour, merde. Qu'est-ce que je prends? On peut pas prendre. Si, si, je peux le prendre aussi, mais. Les gens du chat doutent clairement de tes capacités, Molotox, ça y est. Je vois ça. C'est ce que je me disais. C'est vrai que là... Ah, il est fatigué, c'est normal. Un vrai spécialiste, ce barreur. Non, non, alors par contre, pour. Non, non, moi je tiens à dire que je connais Molotox depuis des années et ça reste quand même un champion pour barrer. Vraiment, moi. C'est plus le Molo d'avant. Moi, toutes les fois où je l'ai vu barrer, vraiment, il faisait ça bien, tu vois. On était bien, bien barrés, quoi. Les tôles filantes commencent à retomber. C'est... Je trouve qu'il se bonifie avec le temps, vraiment. En même temps, les gars, ils critiquent le barreur, mais regarde l'équipe bras cassés devant. Fais gaffe à toi, Virtus, parce que il arrive des choses bizarres aux gens qui vont là-bas. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. On raconte qu'ils ne reviennent parfois, parfois jamais. T'as la qualité de ce harponnage, bordel. En vrai, Molotox, il faudrait que tu en nommes ta chaîne, carrément. En quoi? Molotox le spécialiste. Ah, c'est long. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que c'est long. Mais non, ce qu'on avait dit tout à l'heure, là... Clonotox? Non, t'es moche, je sais pas quoi. Gros Lotox. Moche comme t'es. Moche comme t'es. Moche comme t'es, voilà, merci. C'est pas ça, c'est gratuit ça. Oh là là, le tacle à la jugulaire. Ah ouais. À la 90ème. Allez, c'est parti, vendons. On va se faire des couilles en or là. Et merde, voilà, tant pis. Comme tout. J'ai vu un enfant quand même. Moi j'ai pas envie de jouer de toute façon parce que ce jeu il est nul, j'ai toujours dit. Vas-y, j'ai jeté le coffre, il est resté en haut là. Oh. Ah oui, valeur d'émissaire, c'est vrai que vu qu'on a fait Reaper la dernière fois là.
comme a dit Max de la Ciotat, on va gagner des bonus de qualité. Attends, j'étais à 325. De toute façon, il faut que je rembourse le Krusty Boat parce qu'il m'a coûté 350 000 quand même. J'ai plus que 1 million 100 quoi. A pipe, et jambes de bois. Est-ce que ça change quelque chose pour les récompenses ou quoi que ce soit, enfin, d'apporter directement le coffre au vendeur? Pas du tout. Tant que c'est ton équipe, c'est bon. D'accord. Mais par contre, ça change quelque chose si c'est toi au lieu de gens de ton alliance, tu vois ce que je veux dire? Genre d'autres bateaux avec qui on serait allié, si eux ils vendent nos coffres, on gagne moins que si nous on les vendait, c'est notre poteau de la dernière fois qui nous l'avait appris. D'accord. Je suis à 395k avec mes 3 bateaux. Ah oui, d'accord. J'ai Malotax. Le double au niveau 4, tu gagnes 100% de la valeur en plus. Tu parles pour les valeurs d'émissaire là, Max, pas pour. Ouais, c'est parce qu'en fait on est émissaire 4, pas 5. Oh oui, oh. Eh. Oh, eh. Oh, putain, ça pourrait être. Oh, eh. Pas de ça. Parce que. Eh. J'aurais pu continuer putain. Longtemps si personne avait ri, putain. Et là, j'ai du mal à garder mon sérieux des fois quand les gens réagissent. Oh merde. Non, pour l'argent, XP. Ok. Max, de la Ciotat, c'est combien quand le butin est volé à d'autres joueurs? Non, mais vraiment, c'est Piratepedia, Max de la Ciotat. C'est un puits de science. Ouais, moi la dernière fois que j'ai vu quelque chose de si profond, c'était mon ex Constance de pute qui s'est fait engrosser alors qu'elle était là pour me draguer. Pardon, excusez-moi, pardon. J'aime le légume naturel. C'est ce micro-cran, c'est Bifondor. Oui. Ce micro-cran, ce Bifondor, j'aime le légume naturel. Hippie de merde. Tu m'étonnes qu'elle aime le légume, ouais. Elle aimait bien la carotte au naturel, ouais. Salope. T'es ce micro quand ça m'y fond dedans. Ah j'ai vraiment aucune rancune hein. C'est il faut pas. Ah non bah non. Oh, pute. On a tellement de coffres. Pas qu'on oublie de dévoter pour l'émissaire aussi une fois qu'on aura tout vendu. Et par contre je crois qu'ils ont fait une mise à jour, genre tu peux vendre ce qu'il y a dans tes coffres d'aventurier sans les sortir maintenant, c'est génial putain. Ah ouais? Ah ouais, c'est génial. Bah, tu sais que depuis cette mise à jour il y a des nouveaux mobs, c'est des crabiers. Ah, c'est quoi? C'est quoi? C'est des espèces de gros crabes sur les plages là. Ok putain, j'en ai pas vu. De toute façon je vais avoir le succès avant de les voir, c'est sûr. C'est assez rare. Je comprends. Ça c'est le genre de truc que t'en vois qu'une seule fois dans ta vie. Hein. Oh, tu comme une grosse... putain comme... Ok. Caisse de bois, est-ce que ça se revend? Eh ouais, remplis-la et tu peux la revendre. Donc tu sais, tu la prends dans ta main, tu vas au niveau de ta caisse de bois. Genre on peut prendre les petits trésors là, dans une caisse? Absolument. Des bibelots, vas-y, je vais faire ça parce que... Un bibelot... D'ailleurs, garde un coffre de transport pour les dernières babioles, c'est vrai. Si t'aimes des légumes, j'ai des sites de rencontres pour ça. Ou non, coucou Ace, franchement, je suis pas trop. Je mange pas trop de légumes. Je suis un connard. La caisse était à 45 sur 50 et au lieu de la remplir, j'ai fait stocker dans le coffre. Non, moi, tu sais, je préfère cultiver mon petit potager que d'aller chercher sur internet. Hein. Mon verger, comme on dit, c'est avec qui qu'on avait ce délire du potager de tub. C'est avec toi. Je crois que Necroz était là aussi. C'est possible. J'ai pas suivi. Pour le délire du verger, là où on imaginait un potager de tub. Et qu'on arrosait des petites tubs et tout, et ça faisait un verger du coup. Ah, c'est fort possible. C'est fort probable. Je pense que c'était après le talk show, ça, là où on a commencé à vraiment craquer. Putain, mais j'ai deux mains et je peux prendre qu'un truc, ça m'énerve. Non, mais fais-le aujourd'hui. Ouais, c'est plus pratique, ouais, parce que nous on n'a pas le temps d'attendre demain, quoi. Déjà demain. C'est dommage.
Bah demain c'est loin. C'est tous les jours demain. Comme dirais-je. Pas mal. Comme dirais-je, demain c'est loin. Pourquoi comme dirais-je? C'est Ayam. Putain c'est vrai, nique toi. Mais Ayam c'est je suis d'ailleurs. Ouais. Non ça pas va. Du tout. Qu'est-ce que veut elle? Qu'est-ce que veut? Non mais attends, eh. Vas-y viens sur le pont du bateau, décroche, on va régler ça. Et le fauteuil ça fait un bon apport en fer à la terre. Mais quoi? J'arrive plus à suivre les gars. J'arrive plus non plus. Mais tu vois des fois, ouais, voilà. Ça y est là. Là je. Là... Oh, le fauteuil ça fait un bon apport en fer à la terre. Vraiment, ouais. Attends, faut que je lise ça. On a parlé de fauteuil il y a un moment, les gars. Ça fait un bon apport en fer à la terre. Et la marmotte, elle met le chocolat dans la papier à lui. C'est un rébut. J'ai pas pensé. Mais peut-être que, encore une fois, c'était une blague où il faut entendre la blague, tu vois. Des attends, fois, c'est compliqué. Tu veux que je te la dise pour que tu l'entendes. Mais non, mais tu sais, on n'a pas le temps sur. Enfin... Ah oui, le fauteuil, bien sûr, on parlait de légumes. Bien sûr, ok, ça va. Légumes handicapés, fauteuil handicapé, ok, très bien. Non, mais ça marche. Ah oui, les gars. Heureusement voilà, qu'on a, heureusement qu'on a réglé le bot pour plus qu'il banne tous les messages anti-handicapés, parce que sinon, là, ça serait pas passé ça. Il est où le bateau, là? C'est des handi-blagues. Ah, attends, venez voter. Venez voter pour baisser le. Il a dit handi-blagues. C'est pour je vais remplir de nouveau, mais ils sont instoppables, bordel. Putain. Il faut venir en divoter, s'il vous plaît. Waouh. C'est pas facile. Hein. Là, il nous reste plus qu'à couler le bateau et après, on peut aller perdre nos cerveaux non. dans nos lits, les gars. Attends, il y a encore du. Il faut venir. Il faut venir voter pour baisser l'émissaire. Le monsieur vous dit. Mais pourquoi faire tout... Pourquoi faut le faire maintenant? Mais parce que après on s'en va, non? Si on n'a pas encore tout vendu, c'est ça. Et là, oui, mais je crois qu'on a tout vendu. Non? Il reste des trucs, Necros? Bah, genre les boulets de canon, tout ça, quoi. Ah, mais non, ça, non, non. Dans les bouées. Enfin, s'il reste des boîtes, tu peux les remplir, mais on va pas aller acheter des boîtes pour remplir des boîtes ah pour. Non, bah, ouais, évidemment, ouais. Bien sûr. Ça sert à rien du tout. Moi, je suis prêt à défoncer le bateau. Là. Proposer une quête. Non, il c'est faut où voter, pour voter là où tu vends. Ah merde, faut que je retourne pas là. Toi, non, défoncez pas le bataille tout de suite. Ah merde, pourquoi? Bah qu'on soit viens. Tous dessus. Viens Virtus. Oh mais là c'est le temps que ça remplisse la canne. Viens, viens. Viens, viens, viens. Derrière toi. Ouais. Descends. Ouais. Aïe. Il faut ah mais c'est là. Lui là. R, parler. Non, elle, là devant, la table devant. Merde. Ah bah c'est bon. Attendez-moi. Je veux faire. Oh ok, je pense que là le bateau se remplit. Moi, je peux pas passer par là, moi. Comme. Mais non, mais tu vois, t'as été trop vite. Alors, non, mais t'as le temps. Hein. Non, y a même pas de trou. Voilà. Nul à chier, petit. La seule chose que t'arriveras à faire de ta vie, c'est t'élasser. Encore, même Franklin, il fait mieux que toi, fils de. Il y a des feux d'artifice. Je crois pas qu'il ah en reste. Il est où, des... Oula. Il a raté son arrêt. Ouais. Le bâtard, j'avais réussi à m'éteindre le feu avant de crever, j'étais en train de manger une banane, il arrive. Qui, moi? Ouais. Ah, c'était pas voulu du tout, je suis désolé. Je te déteste de toute façon. Oui, bon, ça marche, ça fait ça à beaucoup de gens, tu sais. Virtus, la coutume, c'est de venir sur... T'es pas sur le bateau, là? Je suis à côté. Faut venir. J'arrive. Fais gaffe, tu vas le couler avant de baisser le pavillon. Non, c'est fait, on a baissé le pavillon déjà. Go mettre le pirate légende au fer, jamais de la vie, jamais. Vas-y, venez monter sur le. Tout en haut là. Moi je sais pas, c'est. D'ailleurs, ce truc. La vigie. Le ma. J'en sais rien du tout. Le ma vigie. Je suis quoi en gros. Ma vigie. Vous êtes où vous?
Ça c'est mon lot là. Moi je suis totalement chez le passeur. Moi je suis dans la cale. Je suis passé voir passer, ça faisait un peu que je l'avais pas vu. Vas-y, venez monter en haut là, en haut du mal. Allez, tout sur Mireille. Ouais, bien joué là. Using box obtenu la caisse de jalons dedans les... Attends, attends, j'ai la chanson d'adieu au bateau, attendez, bougez pas. Attendez, je vous donne un peu de feu si quelqu'un en veut. C'est laquelle celle-là? Et c'est... Bah non, pas le feu, on va mourir. C'est celle-là, ceux qui ne reviendront pas. Ok. De toute façon, si tu commences à jouer quand des gens jouent déjà, tu sais, au final, putain, on va tous cramer ensemble. Ceux qui ne reviendront pas? Ouais, c'est quand tu vas dans les champs de marins, tu fais F après. J'ai pas envie de mourir, en fait. Ah, je suis mort. Mais moi non plus. Je voudrais couler avec le bateau. Qui a ramené le feu là? C'est moi. De ses feux. Oh, moi je suis un homme préhistorique, tu vois, je trouve le feu, je le ramène à ma tribu, tu vois. Oh, non. Mais non. On m'appelle la torche dans le milieu. Non. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Faut réparer le bateau pour qu'on le recoule correctement. Mais non, mais là, Toto. Ouais, oui, attends. Les cons, elles s'attachent aux choses simples. Bah oui. Là, mais attends, mais attends, mais. La petite larme, là, là il est en train de couler de magnifique, carrément. Du coup, il n'y a plus de feu en haut, si jamais. Ah, ouais, mais si on veut remonter, de toute façon, j'ai ramené le feu si je reviens. Aïe. Ah non. J'arrive. Cette musique là qu'il faut jouer. C'est ceux qui ne reviendront pas. Et bon, le tox qui arrive avec du feu. Non, non, j'attends. Ah le bâtard. Mais je vais mourir. Ah non, c'est bon. Ah mais tu m'as cramé la gueule du coup. Je suis mort. Désolé. Non. Si. Oh putain les gars. C'est bon, ouais. je sais qui c'est qu'on va aller raider après, carrément son titre, c'est le pirate québécois. Oh putain, ouais, trop. C'est sûr. Tiré. De quoi? On va... Je sais pas, mais c'est un Québécois, moi j'aime les Québécois. Et il a combien de viewers? Un. Ah, de raid. Allez. Moi je vais toujours raider des gens qui ont une personne, hein. Sauf bien évidemment si des potes font des lives, mais... Excusez-moi, c'est pas du tout la bonne chanson, là. Des gens super sympas... Ah c'est bon, ça a coulé. Adieu les gars. Non. Mais oui. Une mélodie coulante. Ça c'est quand t'as la diarrhée, non? C'était un plaisir. Ah oui, c'était une... Vraiment, je vais aller faire 2-3 parties de petites voitures cette fois-ci. Et est-ce que tu live ou pas du coup que... Non. Bah c'est dommage, là t'aurais eu des... Non mais là je t'aurais vais pu vraiment... avoir un grand bel. Je vais vraiment faire 2-3 parties et je vais... Allez. Eh ben du coup, des zoubis les copains, merci pour cette session de qualité une fois de plus. Bisous à tout le monde. Bah ouais, carrément. Zoubis à tous ceux qui ont été dans le chat, bien évidemment. Des zoubis, reposez-vous bien. Oh bon. Demain je me lève, je me fais sucer le sang pour une prise de sang, putain ça va être super. Hein. Tu crois que je t'ai pas vu? J'en avais plus. Vas-y, dessoublie les potos. Et merci bien évidemment à tous ceux qui ont été dans ce chat de qualité. Le soutien, tout ça bien évidemment. Là on va aller voir un jeune pirate québécois du coup, il semblerait, je sais pas s'il est jeune, je sais pas s'il est vieux. Ah m'en bat les couilles, je vais pas vous mentir. Va bien voir. Je vous dis à demain, comme d'habitude, parce que demain, c'est bien. Enfin non, pas du tout à demain d'ailleurs, à tout à l'heure, carrément. Des gros zoubis, vous êtes beau, vous êtes gentil. Vous êtes vraiment. Vous avez mis le kimono évidemment. Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Allez, des zoubis les potes.